poète et la mort. Et le spectre vient, et tremblement et regret, et la mort vient et dit tout m'appartient. Mais cette pièce que tu rêvais d'écrire, un poème sans coupable, un après-midi d'été sous les arbres, éloigné de toute douleur. Et la philosophie viendrait comme ça, sur la pointe des pieds, et elle accrocherait des lampions de couleur dans les arbres. Est-ce qu'il n'est pas temps? Pas encore. Le monde n'est pas prêt. Mais un théâtre sans douleur, ça, ce serait vraiment scandaleux. Des chansons fredonnées, des pas de danse perdus dans l'ombre des feuilles, une jeunesse inconsciente de sa beauté, des étoiles de mer dans les poches, un repas improvisé de fraises, des bois et de miel sur une nappe brodée, et aussi le piano désaccordé. Ce serait d'un triste. Et la philosophie viendrait comme ça, sans l'aiguillon de la mort. J'ai pas su l'écrire. Poète et la mort pour la millième fois. Je ferai le poète mort trop tôt et sans gloire. Et moi, la mort. Combien de temps cette œuvre survivra-t-elle au souvenir? 3 mois? 3 ans? Oh, combien de chances qu'elle vive 30 ans? 30 ans, c'est beaucoup, peu vraisemblable. Combien d'œuvres vivent 3 siècles? Et dans 3000 ans, puis-je soutenir sans rire que la poussière seule? Le théâtre est pressentiment. Combien de temps doit vivre un pressentiment? Un frisson à présent. Voilà, nous rêvons de vie. Laissons la postérité classer sa bibliothèque dans les loups, l'enfant, sous les lustres. Oh, illusion comique. Le parfum de la fleur vient de sa mort. Tu dois faire de même. Oui, mais comment? Il est temps d'écrire cette pièce qui ne serait que douceur et clémence et jeunes gens qui dansent. Mais c'est moi-même, jeunes gens qui dansent sous les arbres, fraises des bois dans la jatte de céramique bleue, le piano au milieu du pré, sous les lampions. Rien que je n'accorde, je suis le théâtre. Toi, tu te contentes des décors. Le théâtre, c'est moi. Toi, tu rends toujours l'éternité désirable. Moi, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais que je ne te commande pas? La joie. La joie. C'est moi qui en suis le combustible. Et la joie elle-même vient de moi. Ton sourire et ta danse de pan. Nu sous la muraille, tout vient de moi. Et j'ai avec moi le poète mort trop tôt. Elle a raison. Notre joie elle-même, notre joie de poète, c'est d'être mortel. Il parle de la joie, mais toujours de manière sinistre. Et notre histoire seule est digne d'être dans les livres. Nous disons que tout est récit, tout est jouissance et feu de tout. Et de notre déchéance, une histoire encore. Tout est jouissance, même cette mort si jeune, sans avoir vu aucune de tes œuvres. Tu te souviens de cette tournée minable à Verdun? Qu'est-ce qu'on jouait déjà? Le malade imaginaire. Ah, et cet hôtel sans eau chaude, le Cocardi. Et ces critiques insultantes, ce public hostile, et cette porte étroite qui donnait sur une ruelle sombre. Il fallait voir là du sublime. Pauvre ami, tu es maintenant joué dans les plus grands théâtres de France, et ceux qui te méprisaient t'adulent. Peu m'importait la gloire, je voulais la vie. Rien que la vie. Vivre suffit, dit le jeune mort. Je ne suis ni bonne ni mauvaise. Mais le poème, c'est moi qui l'ai écrit. La parole, la beauté, elle donne tout. Mais ne reprend que ce qui lui appartient. Tous meurent et tous n'écrivent pas de poème. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Elle ne dit rien. Je lui concède ma joie et ma danse, mais qui a écrit les mots? Une
suffit pas d'entendre, il faut se mettre à la table, surmonter sa médiocrité pour un mot après l'autre. Et cette force-là lui appartiendrait aussi. Non, cela n'est pas un arpège de la mort. L'effort de continuer. La soif de poème est-elle mortelle? En moi, le jeune mort, je peux dire que ce désir vivra après moi. Une chose est immortelle, cherche des masques. La joie de dire. Je m'avoue à demi vaincu. Eh bien, s'il y a une chose que je ne t'aurais pas appris, c'est la sobriété littéraire. Tu ne peux pas t'empêcher de grimper aux clochers de l'église et d'aboyer de la métaphysique. Ah, j'ai dans mon âme trop de révolte. Et notre amitié a été trop courte. Ça me fait saigner le cœur, cette gloire posthume. Et la gloire est toujours un rêve. On peut aller y chercher un costume de fête, mais pas une fiancée pour l'éternité. Travailles-tu pour la gloire? Bon, bien sûr que non. Comme un ouvrier patient pour qui le travail est déjà une récompense. Seule l'idée d'avoir accompli mon ouvrage est miséricorde. Une tasse de café, une pièce à écrire, c'est assez de joie. Que nous importe l'éloge ou le blâme? Une tasse de café, une pièce à écrire, c'est assez de joie. Que nous importe l'éloge ou le blâme? Tu as lu la presse? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Un triomphe! Cette pièce admirable sauve l'honneur du théâtre français. Enfin, nous ne l'avons pas encore joué. Écoute, l'auteur, catholique révolutionnaire, sauve l'Occident de la sécheresse de la modernité. Sa spiritualité concrète, son lyrisme architecturé, donnent les clés de ce qui sera la conscience de demain. Débarrassé de la métaphysique, mais libéré aussi du ressentiment et du remords du siècle dernier, il offre au spectateur une épiphanie du possible, un sursaut de l'espoir, une nouvelle manière d'être au monde. Une épiphanie du possible? Un sursaut de l'espoir. Une nouvelle manière d'être au monde. Et pas un mot sur moi? Eh ben, pensez pas être allé si loin, on a même pas fini de répéter. Il cite les autres acteurs. Un autre prétend que le remède à la société du spectacle, à la modélisation des comportements et à la mort des idées est dans ton verbe. Oh, mais que dit la gauche? Elle a trouvé son Don Quichotte. Ah, mais que dit la droite? Que le pragmatisme éclairé de son style a fait voler en éclats les présupposés vieillis de la modernité. Et rien sur les acteurs? Il y a bien des contradicteurs. Aucun. Des réserves. Oui. Ah. La pièce est trop courte, dit l'un. Il y a trop peu de représentations, dit l'autre. La salle est trop petite, dit le troisième. Ce n'est plus du théâtre! Si le théâtre n'est que du théâtre, qu'il meure! C'est en voulant être plus que lui-même qu'il meure! Un bouffon qui se prend pour le roi? Mais dans un temps où les rois sont des bouffons, tu t'es remis à sa place? Mais est-il indispensable de créer une religion nouvelle? Et pourquoi pas? Nous pourrions peut-être nous contenter de faire du théâtre! Par exemple, on pourrait répéter la scène du poète et la mort. À quoi bon? C'est déjà un triomphe planétaire. Des années qu'on demande ce que le théâtre fait pour le monde et... Mais c'est arrivé. Le théâtre est la lumière des nations. Oui, mais j'ai peur que nous, les acteurs, tous ces repas diplomatiques nous ennuient. Allons, c'est l'art théâtral qui vous demande d'enfiler votre frac et de présenter vous pour la renaissance de la civilisation occidentale. Il y croit? Je le savais. Le théâtre seul peut s'opposer au spectacle, à la société du spectacle. Le théâtre seul peut contredire cette grande entreprise de virtualité abrutissante. Voilà comment je vois l'histoire de l'humanité. D'abord, l'ère de la religion, puis l'ère de la science, et enfin, l'ère du théâtre. Il y croit, il y croit! Enfin, on aura le temps de faire un peu de théâtre dans ce triomphe du théâtre. Oui, oui. Bon, c'est très secondaire. Nous sommes en train d'éclairer le monde. La philosophie conduit au suicide. La religion fait de nous des moutons. Le théâtre seul rend libre. C'est encore
reste au théâtre. Le plus grand danger est de dire aux hommes ce qu'ils désirent entendre le plus profondément. Le triomphe du poème est advenu, camarades. Voici l'aujourd'hui qui chante. Des siècles qu'on demande au théâtre ce qu'il fait pour le monde. Le théâtre fait pour le monde du théâtre, c'est bien suffisant. Bah oui, mais tu es mort sans gloire. Mais je n'ai pas cherché le sens de la vie, Orphée. Je me suis contenté de chercher la vie. Je te ferai élever un mausolée. Je ferai de toi un martyr. Oh non, 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 non. N'oublie pas les derniers mots de mon testament. Ni tombe, ni nom sur une plaque, ni cérémonie, rien. Tes dernières volontés doivent abdiquer devant la volonté des nations. Je te ferai élever une cathédrale. Le plus grand théâtre du monde, tout en acier et miroir. J'aurais préféré un tréteau sur le pont neuf. Ce n'est pas seulement moi qui triomphe, c'est mon art qui triomphe à travers moi. Entre un jeune fanatique, je fais le jeune fanatique. Je fais très bien les jeunes fanatiques, c'est assez facile à faire, il suffit de surjouer. Écoutez, aux portes du théâtre, la foule vous acclame. On vous appelle l'Orphée du Crépuscule, le chantre du renouveau spirituel, le rossignol de l'inquiétude. Mais c'est un miracle! Nul n'osait y croire, mais c'est arrivé! Votre parole est entendue! Elle n'était pas faite pour ça! Mais oui, votre parole est entendue! La jeunesse conquise se tourne vers la joie! Les jeunes filles dansent nues place de la Concorde. On a levé un grand bûcher place Vendôme. Des théâtres partout s'improvisent, où jour et nuit on joue votre œuvre devant un public extatique. Mais que fait la police? Elle pleure d'émotion. Entre la mère du poète. Maman, je fais la mère du poète. J'ai toujours fait la mère du poète, même à 20 ans, un privilège. Mon chéri! Oh, bravo! Quel succès! Même toi! Même ta tante Geneviève, je sais qu'elle met pas beaucoup de théâtre, déclame dans les rues, costumée en Rachel! Me fais tante Geneviève! Ah, mais c'est du sur-mesure! Je me suis inscrite à un cours de théâtre. C'est Michel Faux qui sera notre professeur. Il paraît qu'il est sévère. Et qui vous fait sortir des choses comme ça. On le sait d'où. Et moi, 20 ans dans la confiserie, ils étaient temps qu'elles sortent. J'ai une question. Est-ce le personnage qui dit la parole ou la parole qui dit le personnage? Il n'a pas le temps de répondre à tes questions, Geneviève. À part ça, la boutique tourne à plat, j'espère que tu verras comme un hommage que je l'ai débaptisée. Elle ne s'appelle plus Autant l'emporte le vent, mais la mère du poète prêt à porter. J'aime pas beaucoup ce poète prêt à porter, maman. Dans le théâtre bourgeois, réaliste, psychologique, le personnage croit qu'il parle par lui-même. Mais dans la tragédie, la parole qu'il dit est en fait une parole qu'il entend. Et qui lui dit qui il est. Bon, très bien, ne nous disputons pas en ce jour de fête. La mère du poète Couture, ça te va? Oh, j'ai oublié, le ministre de la Culture vient te remettre la Légion d'honneur. Dans un petit comité, m'a chargé de le dire. Il en profitera pour te parler de nominations diverses, tu n'auras qu'à choisir. Mais non, je plaisante, j'ai déjà choisi pour toi. Tu sais que sa maman s'habille chez moi. Nous avons tout arrangé pour le mieux. J'ai pensé que le plus simple était que tu sois nommé administrateur de la Comédie Française. Et directeur du théâtre de l'Odéon. Et directeur du théâtre du Châtelet. Et directeur de tous les théâtres de France. Entre le ministre de la Culture, je fais le ministre de la Culture. Non, j'ai réfléchi, c'est trop peu. Je propose que vous soyez nommé ministre de la Culture à ma place.
ministère élargi à l'éducation nationale et à la jeunesse et au sport. Poussez votre coup pour les garçons en sueur. Ah, le président est enchanté. Tu n'auras jamais le temps de répéter. Mais t'auras jamais le temps d'écrire. Le devoir m'appelle. Ce n'est pas seulement moi. C'est le théâtre qui triomphe à travers moi. Pourtant, je doute. Oui, ce qui m'embête, c'est que la culture soit isolée dans un bureau. Elle devrait irriguer l'ensemble de la vie politique. Oh ben, alors voulez-vous que j'intervienne pour obtenir l'élargissement du ministère de la Culture aux affaires étrangères? Et au budget? Pas plus culturel que l'argent. Mais pourquoi pas la défense? Oui, la défense. Ah! C'est une révolution que nous voulons. Oh, ah, je suis bouleversé. Je vais parler au président. Oh, bah laissez-moi faire, je connais bien sa sœur. Mais tu crois qu'avec toutes ces responsabilités, tu trouveras encore le temps de faire du théâtre? Mais retournez sur vos traitons minables, dans vos tournées à trois ronds, et laissez-moi œuvrer dans l'amitié de l'histoire. Vos petits problèmes d'acteurs, vos problèmes d'interprétation, j'en ai juste là. J'interprète pas, moi. J'incarne. Restez au stade symbolique dans votre confort intellectuel. Moi, je suis en guerre contre le néant. Donc, tu n'as plus besoin de nous? Vous m'encombrez, vous me faites perdre du temps. Vous voulez répéter une pièce qui est déjà un triomphe. Vous avez trois combats de retard sur le réel. Bien. Débrouille-toi sans nous. Nous remportons nos morts et notre lyrisme, nos corps souffrants. Et nous allons au vaudeville, voir si la métaphysique y est. Lundi, une cure d'obscurité rajeunira nos grimaces, et avec nous, tout le vieux pouvoir allégorique et toute la fraternité du drame. Et l'or, le rideau, le masque de la mort, on emporte tout, à nous l'exil. Et de là, nous pleurerons pour le retour du poète. Mais je suis là. Alors, nous pleurerons le poète mort trop tôt. Mais à quoi bon une épée de bois? Je vous offre une épée d'or. Nous n'avons pas besoin d'épée d'or. Mais viens nous retrouver quand il te faudra une épée de bois. Ah ben j'ai bien fait là. C'est la voix qui détimbre sous le coup de l'émotion. Non, ça marche bien. Mais tu vois, moi je n'aurais pas fait comme ça. À ce moment, il est traversé par la douleur. J'imagine rien de plus grand. Si, être à la mode. Voilà le sommet de l'éthique. Je vous signale que nous sommes sur les Champs-Élysées. La mode, c'est moi. Et moi, je me prosterne
devant votre génie. Car non seulement vous êtes génial. Tiens, à propos, où en est le prix Nobel? Le Nobel de littérature. Non, le Nobel de la paix. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, vous avez sauvé l'Occident, c'est bien. Mais surtout, vous êtes jeune et beau. Votre image vous précède, comme les léopards dans le cortège de Dionysos. Oh, c'est bien dit. Oui, c'est vous. Les jeunes gens imitent votre admirable visage. On se peint des cernes sous les yeux, on se décolle les oreilles, on se rougit légèrement le nez, et surtout on parle avec cette inimitable voix nasillarde. Non, c'est vrai, j'ai quelque chose dans le regard de douloureux et profond. Les voiliers franchissent le cap avec votre effigie sur leur phoque. La tour Eiffel est drapée dans vos couleurs. Et les accessoires ne se vendent plus s'ils n'évoquent la figure de notre Orphée. Sac à main, chaussettes, pince à asperges, lunettes de soleil, porte-parapluie. Vous êtes partout. Voulez-vous m'abandonner les droits de votre image pour les 10 siècles à venir? Je fais une femme folle. Je veux un enfant de toi. Je suis née pour porter. Parole aujourd'hui, grâce à vous, a retrouvé son poids dans notre monde saturé d'images. Fini les grandes parades médiatiques, ce sont les corégies retrouvées. Venez. La foire de l'art, le populisme événementiel, les paillettes qui aveuglent, tout ça c'est du passé. Les poètes aujourd'hui, grâce à vous, sont les rois de la cité. Nous avons décidé de vous élever une grande statue sur la rue de Rivoli à la place de celle de Jeanne d'Arc. Une statue de vous tout en or et tout en larmes. Je pleure. Ah oui, vous pleurez. De rire. Non, de joie. Dites-vous, ne trouvez pas qu'il y a trop de collèges, de théâtres, d'avenues qui portent le nom de Victor Hugo? Oh, j'ai proposé que votre nom remplace systématiquement le sien. Qu'en pensez-vous? J'accepte, mais par amour de la décentralisation. Venez, on inaugure la statue. Entre son pire ennemi. Je fais son pire ennemi. J'aime tellement votre travail. Permettez-moi de vous cirer les pompes et de quantitativement et qualitativement vous lécher le cul. J'ai écrit cette ode à votre génie, publiée à compte d'auteur. Je dis que vous et vous seuls contre tous avez crié dans le désert. Je vouerai ma vie à l'étude de vos œuvres. Je veux créer une grande académie dédiée à votre exégèse. J'appellerai le triomphe de la parole. Il y aura toutes sortes de jeunes gens très beaux qui dormiront avec votre portrait sous leur oreiller. Comment refuser? Excuse-moi de te déranger. Pendant que tu causes avec ton pire ennemi, mais le président de la République t'attend. Président de la République, je dois montrer que sous le masque de la fonction se cache un homme. Vous avez sauvé la France, vous avez sauvé l'Europe, vous avez sauvé le monde. Quel est votre programme? Du théâtre et encore du théâtre. Comme je vous comprends, moi-même je ne crois plus qu'au théâtre. Mais qu'appelez-vous théâtre? Il n'y a pas de matière, il n'y a que des images. Ah, le théâtre est bien plus qu'un réservoir d'images. Le théâtre est la possibilité de voir de derrière l'image, et de l'intérieur de l'image, et du dehors de l'image. Mais le pouvoir n'est qu'une image. Le théâtre est l'art de voir la mort sans en mourir. Voilà qui serait le pouvoir suprême, assister à son propre enterrement. Allons-nous démasquer tous les masques? Non! Nous allons célébrer tous les masques! Rendre à ceux qui n'ont pas la parole le pouvoir de la métaphore! Nous allons
démocratiser la métaphore. Nous allons métaphoriser la démocratie. Et que dira la puissance médiatique? Qu'allons-nous faire d'elle? L'éteindre. Et le ciel ne sera plus aveuglé. On verra ces étoiles qui brillent plus merveilleusement que les idéologies, ces questions qui sont la dignité de l'homme. À mort la dictature de la réalité. La politique, c'est pas la gestion du réel, c'est le théâtre du désir. Ce que nous voulons, ce n'est pas un constat d'impuissance, c'est un orage de possible. Mais que dira l'Amérique ? Rome tremblera. Il n'y a rien de plus contagieux que le mysticisme. Vous savez qu'après le théâtre, ma seule passion est la botanique. Eh bien, c'est par la botanique que je comprends l'essence du théâtre. L'orchidée dite mouche ressemble à s'y méprendre à la mouche qui la butine. La mouche citron écourtise une femelle mouche qui n'est qu'une fausse mouche, une fleur. Cette fleur a même la possibilité d'imiter l'odeur de la mouche. La mouche trompée s'en revient troublée à sa rageuse réalité de mouche amoureuse. Mais elle a sur ses pattes le miel de la fécondation florale, le pollen, qui est l'intelligence de son destin. Ce dernier ne sera réellement fécond qu'en rencontrant une autre orchidée et en rajoutant à la méprise une seconde méprise. Morale de l'histoire. Le rideau tombé. Nous devons donc butiner une autre réalité fausse, notre vie, afin de la féconder de nos songes. J'ai une question. Je vous écoute. Eh oui, mais j'ose pas. Si j'étais acteur, quel genre de rôle me donnerait-on? Le roi? Le père noble? Non. Ah, quand même pas le notaire. Ben, j'ai bien peur qu'on vous donne le rôle d'un homme politique. Oh, ben Shakespeare! Donc, pensez plutôt au vaudeville. Le vaudeville? Pensez-vous sincèrement que la politique française soit autre chose? Mais le vaudeville n'est jamais qu'une tragédie constipée. Une tragédie sur fond de papier peint à fleurs. On y meurt tout pareillement, mais les funérailles diffèrent. Voulez-vous apparaître au balcon avec moi? La foule vous acclame! Permettez-moi de flairer un petit peu de récupération politique. Ma 11e réélection n'est que dans 6 mois. Mais qu'est-ce que tu risques? Tous ces hommes qui mendient un peu de ta gloire, ce sont tes pauvres. Loin de pouvoir, poète! Loin de tous les pouvoirs. Quelle inconséquence! Quand un grand cri, tu réclamais le pouvoir du poème sur le monde, le moment est venu et tu hésites. Quand à grandes larmes, tu réclamais que le pouvoir du théâtre démasque le théâtre du pouvoir. Quand tu voulais une révolution spirituelle où la soif du verre serait le pain des partisans, quand tu voulais que notre présence au monde soit réinventée dans le drame et que toutes les virtualités de la société marchande cessent d'enlever aux plus faibles le peu de dignité qu'ils auraient pu trouver dans le poème, tu parlais d'une libération de notre désir vrai et d'en finir avec la quinzaine commerciale et la foire événementielle avec alibi culturel. La joie que tu promettais, la refuses-tu aujourd'hui? Vois, le peuple t'acclame. Il est ce jeune homme au front couronné de fleurs qui seul pouvait confirmer les vérités que tu pistais sur les chemins de ton exil. Apprends-nous à vivre, toi seul à ce pouvoir. Apprends-nous à être l'assentiment du monde. Vous parlez admirablement. Si. Venez avec moi. Le balcon n'est qu'à quelques mètres. Il suffit de suivre les tapis rouges et le chemin lumineux des lustres qui tremblent dans le vent des hurrahs. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec le pape.
Le pape ? Il faut sauver l'église, maman ! La France attendra ! Oh, des loups gracias ! Cette bande jeune vieille qui va être content ! Entrez, cher poète. Sacerdé ! Le théâtre, comme l'Eucharistie, est présence réelle. Mais c'est ce que je me tue à dire aux protestants ! Donc le théâtre n'est pas symbolique ? Le théâtre est symbole et présence réelle. Donc ce n'est pas une image. Il n'y a pas d'image au théâtre. Le théâtre est l'invisible qui vient dans l'image. Le théâtre est l'indicible qui vient dans la parole. Ça me rappelle mes jeunes années de théologie. Ah, j'aurais dû faire du théâtre comme mon prédécesseur. Le mystère de l'incarnation, je crois, je l'aurais mieux compris. Êtes-vous mystique ? Quand je bois trop de café ! Depuis que je lis votre œuvre, oh, nos petits carmélites ont fait une très jolie mise en scène de votre visage d'Orphée. Oh, depuis que je lis votre œuvre, je rêve d'une église moins doctrinaire. Une église moins religieuse, plus mystique. Une église plus mystique et surtout plus miséricordieuse. Nous ne sommes pas ici-bas pour juger. Nous sommes ici-bas pour être les signes de sa présence. Chacun de nous est signe. Vous, par votre joie, signe de sa joie. Moi, par mon devoir, signe de l'alliance. Nous sommes signes. Nous sommes dans notre corps les adjectifs de la foi. Apprenez-moi la joie. Oh, j'aimerais tant apprendre la joie. Ah, oh, comme cet acteur, le grand Philippe Girard, quand il lève ses mains tremblantes vers le ciel. Maman ! Excuse-moi de te déranger pendant que tu causes avec sa sainteté. Mais sa sainteté comprendra que tu la laisses pour quelques instants. Il n'y a que Dieu qui soit au-dessus du pape. Si tu voulais bien prendre le thé avec Dieu, je te préviens, il a l'air très fatigué. Il dit qu'il veut tout lâcher. Il n'y a que toi qui puisse remonter le moral. Allez, mon fils, la joie de Dieu est plus précieuse que mon inquiétude. Ah, c'est pas mal ce que j'ai dit là. Vous respirez. Venez les filles. Après une très mauvaise générale. L'éternité m'épuise. Ma trinité tourne en rond. Ma miséricorde s'ennuie. Mon amour devient théorique. Cette immortalité me coupe la parole. En un mot, je veux m'incarner. Il n'y a que vous qui puissiez le comprendre. Nous avons décidé, tous les trois, d'oublier notre incommensurabilité et d'aller jouer à votre ville, à Verdun, devant une salle à moitié vide, manger une pizza froide sous la pluie, dans l'incognito et l'amertume, rentrer dans un hôtel déclassé, le Cocardie. Il paraît que c'est bien triste. Rire enfin du papier peint à fleurs et regarder par la fenêtre la nuit épouvantable. Penser alors au poète mort sans gloire. Oh, ce serait beau. Prenez ma place. Moi, vous savez, je n'aspire qu'à être l'un de vos acteurs. Olivier Balazuc, particulièrement. Quel acteur étonnamment doué. Et dans tous les registres, hein, il mène le vaudeville au point métaphysique. Prenez ma place. Je sais pas si je peux. Oh, mais ça me ferait tellement plaisir. Je veux me garder. On est si seul sans la douleur. Mmh.
Et pendant qu'il parle avec Dieu des mystères de l'incarnation, je donne un coup de théâtre à tante Geneviève. Non, excusez-moi. Je fais Michel Faux, qui donne un cours de théâtre à tante Geneviève. Mais alors, si je fais Michel Faux, je peux plus faire tante Geneviève. Et si... Bon, allez, je fais les deux. Bonjour, professeur. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'incarnation, mais l'interprétation. La construction du personnage. La construction du personnage. La construction du personnage a été inventée pour jouer le drame bourgeois. C'est-à-dire, pour interpréter un monde qui est lui-même un théâtre, il nous faut, tant que Geneviève, dénouer le songe bourgeois. Là est la révolution intime que nous cherchons. Le théâtre commence quand deux masques sont superposés. On ne joue pas un personnage. On joue un personnage qui joue un personnage. L'interprétation est impossible. L'incarnation seule est mystère digne d'intérêt. Nous ne sommes que des personnages de fiction. Il faut mettre fin à la dictature de l'authenticité. Oui, mais moi, je suis tante Geneviève. Non, seulement un personnage de fiction. La tante Geneviève de tous. Celle qui de Dunkerque à Carcassonne tient sa pochette comme ça quand elle va à l'opéra. Rien d'authentique. Elle a appris à jouer tante Geneviève en regardant sa mère, qui elle-même l'a appris au cinéma, en regardant Michel Morcan. Sa désapprobation devant l'art contemporain sonne faux. Oui, ben... Son admiration pour les géraniums effrontes. Oh mon Dieu! Tout est écrit. Même son intimité la plus intime, elle la joue faux. Il n'y a pas de vérité, pas de sincérité, pas d'identité. Il n'y a que du jeu. C'est ça que moi, j'ai apporté à l'humanité ébahie sur la scène où je pense avec mes pieds. Tante Geneviève est un personnage qui joue un personnage que tout le monde pourrait jouer. Moi, par exemple, si je voulais... Et pourtant, Dieu sait si c'est pas dans ma nature. Moi, je pourrais moi-même jouer tante Geneviève. Oh non, non, oh non, non. Pas dans mon intime intimité de femme. Ouais, mais tu vas voir ton intime intimité. Regarde à droite et à gauche. Quand elle fait pipi entre deux voitures, jouer, rejouer, convention. Mais alors je n'existe pas, je n'existe plus. Et l'être ne se contente pas d'un personnage. Derrière le masque, un autre masque, et ainsi de suite, jusqu'à... Oui, jusqu'à quoi? Le rire des galaxies. Mais vous ne faites pas! Oui! Pourquoi je n'aime pas du tout ce sourire que l'on affecte dans les films pornographiques? Moi, si j'avais à jouer la jouissance, je jouerais une sorte de vide métaphysique. Mais revenons au personnage! Donc, il n'y a que des identités de papier, des rôles que l'on se donne, que l'on nous donne! Avec lesquels il faut s'arranger. Sans masque, c'est la stupeur, l'hébétude, la fureur. Non, nous ne passerons à la tragédie qu'à la deuxième leçon. Cette première leçon est consacrée au théâtre de boulevard. Oui, ben alors ça c'est facile. Non ! C'est le plus difficile. Le masque est là, mais doit bâiller. L'acteur de boulevard est-il tant de Geneviève qui sait qu'elle en est une et qui fait bâiller son masque? Elle sait que ce qu'elle dit est inepte, que sa vie est inepte. Et elle dénoue le songe bourgeois en montrant qu'elle n'est pas dupe de l'imbécilité de ce qu'elle dit. Par exemple, elle doit dire « Si potiche je fus, je ne serais pas cruche. » Pour ce faire,
elle laisse tomber légèrement l'intonation, cesse d'interpréter les derniers mots de la phrase et passe à autre chose qui ne sera toujours que vacuité. Oui, ben si potiche je fus, je ne serais pas cruche. Donc, elle joue faux. Il n'y a que des masques. Terreur, donc, rire. Ma vieille voisine a perdu ses clés. Elle est enfermée à l'intérieur. On pourrait la faire crier comme ça. Au secours, je suis enfermée, à l'aide, il y a quelqu'un. Mais la vérité, c'est qu'elle n'atteint pas le rôle. Au secours. Je suis enfermée. À l'aide. Ah, elle n'entend pas. À l'aide, il y a quelqu'un. Elle crie faux. Le footballeur qui remonte le stade victorieux après son but. Il est l'image qu'il se fait de la victoire. Le vieux pervers qui se frotte contre une jeune fille dans le métro le plus discrètement possible. Quoi, on dit que j'en fais trop? C'est l'humanité qui surjoue. Le barman qui sait qu'on le regarde. Ma tante Odette qui tripote son collier de perles en parlant des banlieues. Ah, moi, je crois qu'il manque d'idées, hein, ces jeunes gens. J'aimerais leur trouver un idéal. L'actrice qui reçoit une récompense. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont... Excusez-moi. C'est l'émotion. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont souvenus que je n'étais pas tout à fait morte. Là, elle joue une autre comédie. Elle monte sur la scène pour jouer qu'elle ne joue plus. Tous jouent. Et nous devons trouver ce personnage. Non pas qu'ils sont, mais qu'ils jouent. Le théâtre ne commence que quand un personnage joue un personnage. La convention est la chair du théâtre. Sans convention, on tombe dans la convention la plus conventionnelle, l'authentique. Oui, mais une fois le songe bourgeois dénoué, que reste-t-il? Il reste le théâtre de la joie. Oui, mais qu'est-ce que c'est? La tragédie et le drame lyrique. Oui, mais quelle différence? Dans la tragédie, la parole sauve la dignité de l'humanité. Dans le drame lyrique, la parole sauve l'humanité elle-même. La tragédie fait de nous des hommes. Le drame lyrique fait de nous des poètes. Qu'est-ce qu'un poète? C'est celui qui entend que les dieux désirent inlassablement notre humanité. Pendant ce temps, les comédiens exilés à Verdun regardent le papier peint de leur chambre à l'hôtel du Coq Hardy. C'est encore plus laid qu'à Lisieux. Le mien est dans les jaunes. Je me demande ce que le poète mort trop tôt aurait dit de celui-là. C'est vraiment l'emblème de notre exil. Moi qui reviens d'un monde sans papier peint, je vous le dis, ceci seul est à comprendre. Tu étais déjà très oraculaire de ton vivant. Mais beaucoup plus drôle. Je mourrai. Par la fenêtre, je vois la nuit de novembre qui recouvre les vivants et les morts. La nuit où tu es mort, en tournée à Verdun. Une chambre comme celle-là, deux étoiles logées de France. Et j'ai contemplé. Oui, le mot n'est pas trop fort. Contempler notre vie d'errance. Le papier peint à fleurs. Jaune. Un jaune qu'on ne trouve que dans les hôtels en face des gares, dans les petites villes de France. Et tu étais mort, voilà. Et notre vie, ça avait été de jouer la comédie sur les routes, de jouer ton œuvre devant un public dubitatif souvent, hostile parfois, indifférent la plupart du temps, dans des salles des fêtes où là
la veille, il avait eu un grand succès. Combat de catch de femmes à seins nus, arbitré par un nain. Apprendre à tenir debout, sans Dieu, et sans rêve de gloire, et sans lendemain qui chante. Toi, tu disais, cela suffit. La métaphysique m'importune. Je préfère le physique du serveur. Je n'ai pas le temps. Je dois apprendre à vivre. Ces repas froids dans les auberges éteintes. Ces trains de nuit qui s'arrêtent à toutes les niches de chiens. Ces théâtres qui ne croient plus au théâtre. Ces pianos désaccordés, ces concierges revêches, ces directeurs qui préfèrent le cirque. Le crépuscule des mythes. Dionysos devenu restaurant grec. Et tous ces bistrots baptisés le Molière. Où un buste crasseux nous rappelle que l'Occident est mort. Et la littérature définitivement exilée de l'humanité. Et qu'il n'y a plus que les croque-monsieur surgelés, mais que ça prendra un peu de temps parce que le chef est déjà parti. Venez, entrez dans mon paradis de tristesse. Les accessoires sont usés, les masques rancent, les histoires sont connues, les acteurs inconnus. Mais non, nous ne drapons pas dans le romantisme de la résistance, pas même ça. Nous ne faisons qu'insister à résister. Il y a une parole de poète qui passe dans une ville sans âme. Et ceux qui sont venus pour l'écouter ne l'écoutent même pas. Et ceux à qui elle est adressée, ceux qui en ont le plus besoin, ne savent même pas que nous sommes là. Et il y a encore moyen de se faire entendre, de leur faire comprendre que nous sommes là pour eux. Bien sûr, quelquefois, un adolescent qui te ressemble nous remercie furtivement dans la petite rue étroite derrière le théâtre, comme cette fois-là, à Vesoul. À peine le temps de lui tresser une couronne de fleurs. Et il s'est déjà enfui dans la nuit provinciale. On était sur le point de s'exalter sur la défense d'un théâtre élitaire pour tous et qui ferait d'Homère et de Shakespeare les contemporains de la douleur sociale. On aurait pu parler avec lui, baigner notre apologie du drame dans le bleu de ses beaux yeux pleins de désirs inassouvis. On lui aurait parlé longtemps, debout sur le trottoir, sous la pluie fine, de la parole murmurée qui déclenche la tempête. Un théâtre qui croit encore à une révolution comme celle des astres. Éternel retour du sens, action sœur du rêve, dignité dans le naufrage de l'Occident. Nous faisons du théâtre, jeune homme. Ça veut dire que depuis plus de 2000 ans, nous avons froid aux pieds et mal à la gorge. Pour que le poète ne soit pas qu'une hypothèse de papier, mais un dieu dansant dans l'absurdité du présent. Pour que la nostalgie conseille l'espoir et que la parole devienne l'art de recoudre l'unité perdue. Mais trop tard, il est parti. Il n'y a plus que cette ville, vide et froide, Verdun, Épinal, Lisieux, les Pissotières, où tu iras chercher un bidas pendant que nous finissons la bouteille de vin local et achevons les chocolats Jeanne d'Arc, cadeau de bienvenue de la direction. Au moins, on ne peut pas dire les loges étaient chauffées. Pas comme à Sochaux, pas même de quoi se débarbouiller. L'eau froide dans le lavabo fêlé, et les toilettes au fond de la cour, et 8 personnes dans la salle, dont 2 qui dormaient, 1 qui est parti parce qu'il n'y a personne de connu, et 5 relations publiques du théâtre. Et nous traversons la ville, cette nuit-là, comme les autres. Toi, avec ton pas malade, et nous faisant mine de ne pas voir l'agonie. Et tu nous l'as assez reproché dans tes œuvres posthumes.
Cette promenade nocturne dans Belfort, pour trouver un restaurant chinois et qui est fermé. Et nous retraversons la ville dans l'autre sens, pour trouver le seul restaurant ouvert à la propre et qui est fermé aussi. Je trouvais une valise qui me fait un peu moins mal à la paume des mains. Reste de plaie peinte pour le drame d'un rouge trop clair. Et nous traversons la nuit jusqu'aux salades industrielles de la station service où, exalté de fatigue, tu dis à celui qui demande, il sera répondu avec cet air de ne pas y croire. Petit tas d'anecdotes, tu disais, oui, tout ça est sublime. Nous étions à Verdun et à plus qu'une pizzeria ouverte. Et comme il n'y avait pas de champagne, nous l'avons pris du mousseux et tu étais mort. Et nous n'avions pour célébrer ton passage parmi les inquiétudes de cette mauvaise bouteille et ton interdiction de pleurer. Chambre comme celle-là. Et je me disais que oui, tu avais sans doute raison. Toute cette misère sublime, bien plus sublime que les soirs de gala sous les lustres, bien plus sublime que les récompenses et les honneurs, plus sublime que l'or et le rouge de l'Odéon et du Châtelet. Et vivre ainsi, sans réponse, est plus sublime que la gloire posthume. Et penser que d'autres, après nous et avant nous, sont passés sur ce chemin, sur ces planches, les mêmes gestes, les mêmes gloires d'un jour, les mêmes amertumes sublimes, oui, plus que l'éternité. Voici le théâtre, les loges, les coulisses, l'entrée des artistes avec son fanal rouge. Là est ce qui est. Nous avons eu notre jeunesse et le voyage des comédiens reprend demain. La même mélancolie escorte même exaltation. Et le plus âgé d'entre nous, celui qui joue les rôles du juge et du notaire, s'endort dans les coulisses sur une vieille malle à costume, estampillée aux armes du théâtre national populaire. Le sublime, rien de moins. Le théâtre est ce qui nous permet de vivre avec dignité cette absence de sens. La dignité nous suffit-elle? Quoi d'autre? C'est ce que la gauche propose depuis un siècle. Un 13e mois dans la dignité. Ce n'est pas assez. Et qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Quoi? Le religieux? Non,
Tu voudrais du théâtre religieux. Qu'est-ce que le sens? La présence réelle d'un dieu. Qu'est-ce que l'art? Ah, la réelle présence d'un dieu rendue évidente par la beauté. Il y a la chapelle Sixtine, donc il y a Dieu. Exactement. Les œuvres du sens, c'est ça. Ou alors ce n'est que de la décoration pour salon bourgeois. Oh, mais on décore aussi très bien avec du caca. Et très bien avec du néant. Et le vide est vraiment le plus beau de tous les peuples. Le théâtre est ce qui nous permet de vivre avec dignité cette absence de sens. La dignité, c'est le théâtre politique sans espoir de changer le monde. Admettons. Mais il doit y avoir autre chose. Quoi? Cette dignité me dégoûte. Moi, je veux le salon rouge et les coupes de cristal, l'orchestre qui s'envole, le feu aux appartements royaux, les serviteurs dénudés, les bacchantes barbouillées et les yeux clos, le sourire sanglant du jeune Pan qui sait que la totalité ne peut pas être ébréchée par le désespoir d'un seul. Non plus des lendemains qui chantent, mais des aujourd'hui qui vocalisent. Voilà ce que je veux, une joie qui n'appartient qu'à elle-même, qui n'a pas de dieu en coulisses. L'intelligence de la douleur et la douleur de l'intelligence. Orfèvrerie, les miroirs sans fin d'une vie sans espoir, mais qui ne va pas se jeter aux pieds de la dignité. La tragique aristocratie de la musique. Ce qui est sera, c'est assez de métaphysique, mais la philosophie est trop lente. Vois qu'on dresse une table sous les arbres, dans le jardin éteint, les lampions bleus et mauves sont accrochés dans les branches sur des phylactères, tout Parménide est écrit en lettres d'or et suspendu dans la brise. Le revolver est là. Sur un coussin d'azur et de passements tricuivre. Alors, c'est assez? Garde ta dignité pour le congrès du Parti Socialiste. Je veux une joie que le théâtre seul peut me donner. Il veut que tout soit parfaitement à sa place. L'orchestre et la vaisselle et les jeunes gens maquillés en filles et les filles costumé en vestale. J'ai voulu que la couleur des rideaux soit précisément celle de l'accord magique de Tristan et Isolde. La totalité a droit à des égards sans fin. Rien n'est isolé, ni moi, ni les cygnes, ni les fleurs, car la ville est loin. On vit ici bercé par le bruit de la mer et du vent, mais ce sont des étoffes balayées, des soufflets et des descentes de perles dans des calices sonores. Et c'est dans ce théâtre que je danse ma danse de satrape. Et un révolutionnaire aigri se fustige avec mes colliers de pierres précieuses. C'est horrible, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de rien. Je n'ai plus besoin de rien. Si le violoncelle joue faux, nous le pendrons. Voici la jeunesse. Voici l'effrayant. Voici la beauté furieuse de Pan. Les bacchantes froissent qu'ils s'interrogent dans les escaliers qui montent vers l'observatoire. Là-haut, toute la petite troupe, les folles, les curés, les suicidaires, les sopranos coloratours, les jeunes garçons habillés en tragédienne, tous nous regardons les étoiles. La panthère parfumée de Dionysos
est notre grand prédicateur. Nous ne sommes pas sortis du paradis. Voilà la vérité. C'est une erreur de quelques siècles. Presque rien sur le calendrier des illuminations célestes. Il ne manque qu'une chose à ton théâtre. Le poète. Oui, il manque le poète. Mais pas seulement un ermite, pas seulement un imprécateur, pas seulement un juif errant, le cheveu sale de tous les ressentiments de l'Occident. Non, l'oriental, le danseur nu, le grand mystificateur. Il manque, oui. Mais le système entier paraît contre lui. S'il apparaissait, il serait immédiatement changé en lampe de chevet. Ah, voilà l'art de l'acteur. Réclamer un poète. Tout acteur qui n'a pas dans son jeu cette soif du poète, qui ne la distille pas dans chacune de ses syllabes, n'est que le fossoyeur de l'inspiration. Mais comment faire ? Passer chez le teinturier, voir s'il a pu enlever les taches de vin sur mon gilet brodé. Satellisée, le poète s'adresse à l'humanité. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peur soudain. Ta cravate. Tu m'étrangles. Oh, et l'air d'aimer le peuple. Le poète est celui qui ose l'approbation du monde. Non pas celui qui parle de cette approbation, mais celui qui la rend possible, matérielle, incendiaire. Il ne convainc pas par sa parole, mais par sa présence. Le poète est celui qui dit oui à la somme de tous les destins et qui ainsi réouvre le paradis perdu. S'il le fait par sa présence, cela ne va pas sans dire. Les mots peuvent-ils raccommoder l'unité perdue? Oui, mais par-delà eux-mêmes, dans cette parole qui fait comme agrandir le silence intérieur, qui couvre de son ressac tous les bruits séculiers de notre âme insatisfaite. Tout alors se change en miroir de la totalité. Un bâton de papier qui file dans la rigole, une chanson fredonnée, un hareng fumé, même si j'aime pas les harengs fumés, l'odeur de l'iode à l'approche de la grève, tout. Oh là, oh mais je m'excuse, mais alors votre avis sur les harengs fumés, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est bien un exemple. Bon, j'aime les harengs fumés, si vous voulez. Ah, ah, alors ça. Ça, c'est vraiment scandaleux. Allez, vous venez de dire à l'instant que vous n'aimiez pas les harengs fumés. Non, mais c'est pas la question des harengs fumés. Mais sitôt que vous sentez le vent tourner, allez hop, il aime les harengs fumés. Ah, moi, je sais pas si on peut faire confiance à un homme qui, un jour, dit qu'il aime les harengs fumés, le lendemain, qu'il déteste les harengs fumés. Encore une fois, c'est pas la question des harengs fumés. Excusez-moi, merci. Bon, écoutez, on va pas passer des heures là-dessus. Bonjour, les confrères intellectuels. Moi, je travaille dans l'agroalimentaire depuis 20 ans. Qui êtes-vous pour décider que le débat est clos? Alors ça, c'est typique de l'arrogance d'une élite qui, dès qu'elle a le pouvoir, elle pense qu'elle peut tout dire et puis le peuple suivra. Sans aucune analyse critique, on décide que les harengs fumés, c'est idéologiquement contestable. Pourquoi? En vertu de quoi? Ça, c'est pas de la pensée, c'est de la mode. J'ai pas dit ça. Je m'excuse, mais je travaille moi-même dans le domaine de la communication et du tourisme. Et je tiens à dire que le débat est vraiment mal engagé. Non mais il y a trop de présupposés bourgeois, capitalistes, et même, j'ose le dire, j'ai pas peur des mots, réactionnaires. Enfin pourquoi l'art ce serait pas du hareng fumé? Est-ce que tout doit être décidé d'avance? Ou est-ce qu'il y a une place dans cette société de merde? Oui, de merde, vraiment, ça me révolte. Est-ce qu'il y a une place pour un peu d'imaginaire? Merci.
théâtre, c'est un assentiment de la totalité. On peut pas retirer les rats enfumés. Même une tête de rat enfumé, même une arête. Ce haron doit être aimé avec la totalité. C'est théorique, monsieur, c'est pas idéologique. Excusez-moi, merci. C'est tout idéologique. Excusez-moi. 27 ans d'analyse. Ça aide aussi à écouter. Alors vous parlez de hareng fumé, il suffit d'écouter. Pour vous, l'art est parti en fumée. L'art, c'est de la fumée. Hareng fumé. Alors, comme il n'y a pas de fumée sans feu, je dis, si pour vous, l'art, c'est de la fumée, le feu, c'est quoi? Il y a du religieux, c'est ça que je voulais dire, et même de l'intégrisme derrière ce hareng fumé. Voilà, mon père, encore, arrête cette histoire de hareng fumé. Non, mais merci. Ouais, le fond du problème n'est pas là. Les hareng fumés, c'est une diversion pour éviter de parler vraiment des choses qui dérangent. Il a volontairement, c'est un rhétoricien très subtil, aiguillé le débat vers les hareng fumés pour que la question soit évitée. Quelle question? Ben, la complicité. La complicité entre la parole et le monde marchand. On le voit bien en vous écoutant, hein, avec du blabla, on peut même vendre des hareng fumés. Excusez-moi, là dans le micro, j'ai une petite voix. Je suis mère de 4 enfants. Il a besoin de sens. Et si ce sens est absent, alors on ne peut pas se contenter de dire j'aime pas les harengs fumés. C'est pas ça qu'on attend d'un poète. On doit nous apprendre à vivre avec dignité dans cette perte de sens. Julie, ils prennent des armes, des matraques, des canifs, des munitions. Vite, suivez par l'escalier secret. Tiens, mets cette perruque. Pour échapper aux furies, le poète. De l'art dramatique. Bonjour, Tante Geneviève. Avez-vous travaillé votre liste d'intentions? Mais Michel Faux n'est pas là. Je fais court à sa place. Quel acteur admirable! Il suffit de le voir entrer en scène, tout posséder de son art, l'œil allumé de fureur et d'extase, silence de mort dans la salle. Son beau visage d'albâtre sous les lampes. Oui, bon, ben alors passons aux exercices pratiques. Vous devrez dire la phrase suivante. Et la mort est pour nous la dernière créance. Et la mort, mais c'est une phrase de tragédie. Exactement. Mais tout est dans la didascalie. J'en ai collecté pour vous une vingtaine. Essayons. Philosophe. Et la mort est pour nous la dernière créance. Sentencieuse. Et la mort est pour nous la dernière créance. Soudain lyrique. Et la mort est pour nous la dernière créance. Avec une ironie méchante. Et la mort est pour nous la dernière
paix. Ça peut servir. En plus, c'est difficile à faire, ça. S'il y a des critiques dans la salle, tout en continuant de jouer la situation. Et la mort est pour nous la dernière séance. Avec une sincérité qui ne peut être feinte. Et la mort, et porno, et pas. Et pour nous, la dernière, oh, créance ouf. En regrettant d'avoir pris du lapin à la moutarde à midi à la cantine. Ça devient n'importe quoi, là. À l'enterrement de la voisine. Ah.
un pour nous, la dernière créance. Manifestant qu'elle l'a déjà dit 100 fois. Oh là là ! Et la mort est pour nous la dernière créance. Pédagogique. Et la mort est pour nous la dernière créance. Ésotérique. Et la mort est pour nous la dernière créance. Élastique. À la mort, à la mort, à la folie. Satirique. Mais j'ai pas fait exprès. Mais attention, vous imitez un peu votre professeur. J'ai cru voir Michel Faux par moment. Je vais m'attaquer à la tragédie. L'acteur tragique n'a aucune intention. Il est comme absent de sa propre parole. Trop de douleurs ont fait grandir en lui un éloignement splendide. Il se tient au-dessus de son corps et sa tête échevelée touche les étoiles et les vérités indicibles. Mais il est aussi présent comme aucun homme n'a su l'être. Ce bois à peine à le porter tant sa douleur est lourde. Donnez-moi une toge. Avec un vieux rico, très bien. Non, ce n'est pas sa douleur, c'est celle des siècles, celle des livres qui savent que nous vivrons toujours exilés du sens et que tout est esclave de la nécessité. Il n'est plus seul, il est devenu un mot. Dans ce grand, infini livre de la douleur humaine. Il est là, oui. Il a dans son manteau brodé et démodé les pierres avec lesquelles on lapidera son image. Il a les charpentes des temples à venir posées sur ses épaules. Il a toutes les lois et toutes les limites à la loi dans ses mains sous forme de torches enflammées. Je frémis, j'arrougis, j'appâlis. Il y a les ténèbres peintes sur la grande toile vieillie et sale. Mais derrière cette méchante toile, la ténèbre profonde qui a dévoré son destin. Oui, il est là comme aucun autre. Puisqu'il est le dernier, puisqu'il est sur la scène, il est le dernier de sa nation, il est le dernier qui fasse du nom de sa nation un nom vivant, il est le dernier qui parle cette langue, et tant qu'il la parle, elle n'est pas morte, mais lui est mort déjà. Il est là, oui. Du rouge sur le visage, des fleurs sur la tête, Cassandre, les rires d'enfants, les crachats des cuisiniers, la culpabilité et la certitude du néant sous un soleil qui ne laisse place à aucune consolation. La bibliothèque brûle. Mais tant qu'il parle, elle n'est pas morte encore. Voilà pour la douleur. Et ça suit. Alors, viens pour lui autre chose. Une autre chose qui ne se dit que dans la poussière tragique. Quand le safran des costumes vole vers le ciel, quand la musique des chamates s'est éteinte au soir de défaite, sa parole,
sa parole qui ne dit rien. Il n'y a pas de message. Ce qu'elle dit, on le sait d'avance. Nous mourrons. Non. Là où il est, c'est la parole elle-même qui doit être sauvée. Il est dans son corps l'ultime asile du vocable, de la possibilité du vocable, du lien charnel entre le vocable et sa douleur. Il ne parle pas, il montre la parole. Il montre l'incommensurable beauté de la parole que rien ne remplace. Il écoute la voix de sa propre parole, comme si c'était la dernière fois, avec cette tristesse-là, et aussi avec la joie renouvelée de la première fois. Toute la folle aventure qui nous a conduits au vocable, il la revit en un instant. Là, autour de lui, ce petit espace, ce carré peint à la va-vite, et la lampe de sa liberté inaliénable. C'est comme le champ du potier qui a été racheté avec l'argent que Judas n'a plus voulu pour avoir vendu le Christ, et qui sert de cimetière aux étrangers. C'est là. On tolère ça. On ne le comprend pas. On l'aime rarement. On en rit. On le craint. Il n'y a plus que ça. L'extrême pauvreté de ce lieu, de ce geste, dans ce destin à demi éteint, dans ce récit que nul n'écoute. L'extrême pauvreté est la clé de cette musique. Une musique de siècles enfuis et qui apprend à vivre avec dignité dans un monde qui meurt. Il est là et en même temps il est assis au dernier rang. Et un couteau perce son cœur et le partage au vent de l'histoire. Il n'est plus qu'une parole, cri de bûcher, odeur de charnier, lumière de massacre. Tout appartient aux puissants, la nécessité et leur janissaire. Mais lui parle, il sauve la liberté de l'homme, la liberté de l'homme. Poème dans cette prose du monde qu'est le réel. Mais alors, toutes ces intonations que j'ai apprises, mais elles seront inutiles au jour tragique. L'acteur tragique ne module pas. Le boulevard des non plus, il fait des ruptures. Il le rompt au moment où le tragique insiste. C'est cette insistance de la langue qui devient cosmique. Il faut que chaque flèche arrive précisément au même cœur de la langue. Ce qu'en musique on nomme l'ostinato. Cette chose qui n'en finit pas de répéter dans le nuance son désir. Cette chose dans le désespoir de toute réponse, une question inlassable. Que tout soit parfaitement identique pour que l'écorce de la psychologie se brise et qu'apparaisse l'amende du monde, notre impatience. Mais faites-le pour voir. Les dieux rêvent de notre humanité. Ils savent que la douleur est un honneur qui vient du fond des astres. Je veux par ma parole atteindre les plus hautes sphères, l'ultime asile de la cause.
pas besoin de crier. Je n'ai qu'à rejoindre ce point de silence en moi qui est vaste comme le temps, vierge de tous les ressentiments. Là, en moi-même et hors de moi-même, là, dans le temps et hors du temps, dans la matière et dans l'inquiétude, dans la chair et dans le vocable. Mon récit seul au-dessus du désastre est un ciel supportable. J'entre au pays que les dieux ne peuvent atteindre, la connaissance intime de la douleur. La douleur qui est le point d'horizon de toutes les paroles. Il y a ici une chose qui n'appartient qu'à moi, une liberté si désespérée qu'on la confond avec un chien errant parmi les ruines. Je parle encore, j'ajoute à mon récit l'or des fables anciennes, les miroirs infinis des métaphores, les allégories aux masques usés. La mort est pour nous la dernière créance. Et je dis à mes bourreaux, un poète viendra faire le récit de ma défaite. Voilà pourquoi j'ai ajouté à mon costume de deuil une couronne de myrte vert et de bruyère en fleurs. Bravo! 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 Oh, c'est beau! C'est beau! Mais c'est beau! Ah, c'est beau, mais c'est triste! Avec les intonations, ce serait plus varié. L'ostinato, c'est bien. Mais moi, j'ai une autre méthode. Ça s'appelle tirer la couverture à soi, et aussi les rideaux, et le tapis, venez, et la tapis. Venez, essayons. J'entre au pays que les dieux ne peuvent atteindre, la connaissance intime de la douleur. La douleur, qui est le point d'horizon de toutes les paroles. Il y a ici une chose qui n'appartient qu'à moi, une liberté si désespérée qu'on la confond avec un chien errant parmi les ruines. Mais je parle encore. J'ajoute à mon récit l'or des phases anciennes, les miroirs infinis des métaphores, les allégories aux masques usés. La mort est pour nous la dernière créance. Voilà pourquoi j'ai ajouté à mon costume de deuil une couronne, une couronne de myrte vert et de bruyère en fleurs. Tante, je me viens. Vous venez de réinventer le drame romantique. Mais j'ai pas fait exprès. Entracte. Je fais la femme qui voulait un enfant.
le vrai visage du poète. Un hareng de trop, la déconfiture d'Orphée. Nous sommes perdus, il faut fuir. Varennes, Guernesey, Colombes et les deux églises, Sainte-Hélène. La sœur du président m'a dit qu'il s'adresserait demain à la nation. Ton pire ennemi vient de faire jouer une pièce de théâtre où les acteurs sont remplacés par des cochons en rut. C'est sur la difficulté de communiquer. La trahison des mots. C'est pas toi qui aurais eu cette idée avec ton vieux théâtre. Et aussi, j'ai un regard un peu plus critique que toi sur la société du spectacle. Et ça passe très bien à l'écran. C'est un véritable triomphe. La nouvelle collection Automne-Hiver a décrété que tu devais être banni du cahier des tendances. Alors ça, c'est vraiment la fin. Autant te le dire, j'ai débaptisé la boutique. J'ai choisi prêt-à-porter culturel. Les ventes remontent. Ah, voilà le ministre de la Culture. J'espère qu'il nous trouvera un moyen de fuir. Votre chute a entraîné la mienne. Je suis déchu. Venez avec nous. J'ai des gâteaux secs et du rhum. Nous irons à Sainte-Hélène. Nous écrirons nos mémoires. Nous attendrons le retour en grâce. La collection printemps-été, je connais la mode, tout reviendra. Bon, bah, n'exagérez rien, je suis déchu à la manière d'un ministre. Je suis nommé au Conseil constitutionnel. Vous n'auriez pas une petite place de concierge ? Oh, je dois vous avertir que votre trahison, votre forfaiture, votre vil ennemi, ah, je ne trouve pas de mots assez durs, fait vaciller la République. Il me faut publier quelque chose qui prouve que je me suis toujours moqué de vous. Il me faut quelque chose qui vous couvre de ridicule. Exilé, vous êtes encore trop dangereux. Tenez, ces poèmes, quand il avait 11 ans. Ah ! Hop, 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 passons rien. Ah, vous l'aurez, votre loge. Hop. Avec vue sur le palais royal. Ce sont des poèmes qui parlent de moi, principalement. Il fait rimer... Maman chérie avec pâtisserie. Ah, ça c'est drôle. Mais jolie maman avec artistiquement. Ah, ça c'est pas long. Oh, monsieur, ton père. Mon père. Retire cette perruque. Remets cette perruque. Écoute ton père. Fais ce que je te dis. Tu nous as couverts de honte. Mais il m'est venu une idée, tu ne peux pas être mon fils. Oh, il coule dans mes veines un honneur que tu ne soupçonnes pas. Jamais je ne me serais fait le porte-coton du roi pour obtenir des légions d'honneur, des Marocains et des harengs fumés. Ah, le poète qui désire les étoiles, et derrière le masque, l'homme qui veut la rosette. C'est moche. N'essaie pas de me revoir, jamais. J'ai décidé de donner de mon vivant toute ma fortune à ce garçon qui écrit des pièces pour les animaux et qui est le vrai génie de notre temps. Rien n'est. Voilà la vérité. Hareng fumé. Oh, tu l'as bien cherché aussi. La colère du peuple monte. J'ai peur que te ridiculiser ne suffise pas à sauver le gouvernement. Tiens, mets ce costume de lapin. Ça suffira peut-être à sauver ta tête. Le président de la République vient incognito, attends-toi au pire. Il est déguisé en Père Noël. Qui soupçonnerait le Père Noël ? Vous devez fuir ! Je vous donne... Vous devez fuir ! Je vous donnerai moi-même la chasse ! C'est la seule solution ! Je dois avoir l'air très sévère. Ils veulent votre peau. Je dois sauver la mienne. J'ai préparé un discours, je tenais à vous le dire. Des mots, des mots, des mots. Mais la fleur à jamais est absente de tout bouquet. Le poète a voulu nous faire croire qu'il existait entre les mots et les choses un guet. Un passage secret, et que l'unité perdue pouvait être raccommodée. Ce faux espoir fut pour les populations déshéritées, je pense notamment aux banlieues, plus cruel que toutes les idéologies.
il nous reste la rugueuse réalité à étreindre. Excusez-moi, Papa Noël, c'est très mauvais. Vous semblez regretter le pouvoir du poème. Asseyez-vous, écrivez. Vous écoute. Il s'est payé des voyages à Tahiti aux frais de la princesse. Il a souscrit au nucléaire. Il a fait tabasser les sans-papiers. Il a privatisé l'éducation nationale. Il a lui-même vendu de la drogue aux enfants des cités. Il a fait la traite des lituaniennes sur les trottoirs d'Orléans. Il a vendu des armes aux terroristes. Il a lui-même contaminé le sang des transfusions, les plafonds en amiante et les poulets rôtis. Il a spéculé sur les ventilateurs pendant la canicule. Il a été l'avocat des collabos. Il a fait voter des lois racistes. Il a fait caca sur les tapis persans du palais Bourbon. Et il s'est torché avec les embrasses des rideaux. Non, la fin, décidément, est un peu triviale. C'est ça qu'on retiendra. Vous avez une grande intuition politique. D'où vient-elle? Le prêt-à-porter. Il faut le charger de tous les péchés du monde. Il était déjà coupable dans mon ventre. Et après toutes les ignominies du XXe siècle, quoi de plus révoltant que la poésie lyrique? Il n'y a pas de plus grand crime, vous êtes sauvés. La France est sauvée. Haro sur le bidet. Il en faut bien quelque chose. Vous l'aurez, votre décorant. Ouh, marchand de robe. Cache-toi sous mes jupes. Il n'est plus à la mode. Il n'est plus à la mode. Oh, comment écouler mon réassort. Les soldes. Toute la civilisation est là. C'est joli, cette comptine. Oh, une vieillerie. Chatouille. Maman, sauve-moi. J'ai tout prévu. La cachette idéale, la confiserie de ta tante Geneviève. Noël approche. Tu sais quelle peine à écrire des blagues de ses papillotes, la pauvre chérie. D'ailleurs, regardez, dans les rues, là. Ah, oh là. Qu'est-ce qui tourne sans tourner? Non. Le lait. C'est spirituel. Mais là, tu serviras à quelque chose, tais-toi. Après tout, tu sais faire de la poésie. Et tout ce que tu sais faire. Me remercie pas, je suis ta mère. Mais enfin, remets cette perruque. Bon, remets le lapin. Bon, remets la perruque. Essaye les deux pour voir. Oh. Et pendant que le poète planche sur des blagues de confiseur, un intermède amer sur la dernière mode vestimentaire de la décentralisation. Il y a ceux qui servent le théâtre et ceux qui se servent du théâtre. Ceux qui se servent portent toujours des costumes bien coupés, souvent noirs, avec dessus, pour faire mode, une veste d'ouvrier artistement tachée d'or par un jeune créateur japonais. Ils sont chics. Ceux qui le servent cachent leur bleu de travail sous des manteaux achetés aux puces. Ça leur donne un air de clown, aussi à cause du nez rouge qu'ils ont depuis qu'on a coupé le chauffage. Ceux qui se servent copient le style de ceux qui servent, sans qu'ils puissent y comprendre quelque chose. Mais en copiant la tenue d'ouvrier de l'art théâtral, ils oublient presque toujours le nez de clown. Ils le remplacent par des lunettes de soleil portées le soir, mais l'effet est un peu différent. Et pendant ce temps, dans la boutique de Tante Geneviève.
La mort n'est qu'un peu d'or payé au tribut de la nuit vénale. Oh, ce n'est pas drôle du tout. Qui mesure ne donne pas. Tu trouves ça comique? Vivre, les valets feront ça pour nous. Oh, je trouve que c'est convenable pour envelopper mes pâtes de fruits au cassis. Tu n'es vraiment pas drôle. Tu n'es même pas capable d'écrire une vraie blague de papillote. Si tu n'écris pas quelque chose de drôle, je me verrai obligé de te dénoncer à la police. On te recherche partout. Tu as accusé des pires horreurs. Et c'est vraiment par amour de ta mère et dans l'espoir secret de mieux vendre mes papillotes. Et voilà, il est ici. Maman, son arrestation est nécessaire. La France a perdu la Coupe du Monde. Il faut que quelqu'un paye. Le procès a déjà commencé. Le marchand de mode est avocat général, mais nous n'avons pas trouvé d'avocat de la défense. Son père lui-même a refusé. Il nous faut un très mauvais avocat. Quelqu'un qui connaisse un brin le théâtre et qui amuse un peu le public. Dans un procès qui promet d'être d'un ennuyeux. Tu es notre seul espoir. Qui, moi? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis pas d'accord, j'accepte. Mais qui va tenir la boutique? Le maire de Paris. Nous sommes en retard, nous avons manqué le début du réquisitoire. Il n'est pas à la mode. Il n'est plus à la mode, il ne sera plus jamais à la mode. Pourquoi? Parce qu'il est attaché au spiritualisme le plus rance, à l'amour des mots le plus réactionnaire, à la joie la plus naïve et la plus abjecte. Il est l'ennemi de la modernité. Il est l'ennemi du progrès. Il est l'ennemi du marché de l'art. Il est l'ennemi de la communication. Il est l'ennemi de la mode. Et il s'en vante. Il prétend qu'il y a une beauté en soi et qu'elle est la clé des vérités indicibles. Il prétend qu'il y a une vérité. Pour tout cela, il ne peut y avoir qu'une seule condamnation. La mort. Je réclame une mort anonyme. Qu'on prétende qu'il s'est suicidé, qu'il a disparu dans une bouche d'égout, qu'il a été mangé par le monstre du Loch Ness, mais qu'on lui refuse l'aura du martyr. Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Il y a de la parole dans la parole. C'est tout ce que vous avez trouvé? Ça résume tout. Regrettez-vous d'avoir dénigré la modernité? Oh non! L'imbécile, il aurait pu se sauver. Vous reportez-vous amèrement d'avoir considéré le théâtre comme la plus grande dignité de l'homme? Plutôt mourir! Le jury appréciera. La parole est à la défense. Tout petit déjà. Il aimait se déguiser. Il avait volé les habits chinois de sa grand-mère et il se prenait pour Elvire Popesco. Oh, il nous aurait bien fait rigoler, hein, sans dire pas le contraire. Et quand il n'avait plus trop de café, comme au mariage de sa cousine Guylaine, il se mettait à raconter n'importe quoi. Dieu, la douleur du monde, le théâtre public, la décentralisation, le poème dramatique, enfin, un tas de bilvesées. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à une échelle mondiale. Il a bu trop de café à une échelle mondiale, et alors, il s'est mis à élucubrer. Là, tout est passé. Le théâtre citoyen, le salut de la civilisation, la littérature du sens, tu vas pas me dire, la gloire du verbe, il y a un souci avec ce gamin. Prends de café. Le vrai coupable, monsieur le curé, c'est le café. Le jury va délibérer pendant ce temps.
le prêt-à-porter super désespoir, imiter le style et la dignité des mendiants du métro. Le costume de pauvre, veste à carreaux, pantalon crasseux, se porte dans les cocktails. Des cochons savants revisitent Shakespeare en conspuant la parole. Leurs déjections fécales sont plus subversives et plus révolutionnaires. Avec les pastilles modernes, refaites éternellement le même geste régressif. Le président de la République française est élu dans une émission de télé-réalité avec l'appui des savons Cocorico. Avec la poudre Picasso, la pornographie est moins pornographique que la politique. Avec concept facile, le vide devient spectaculaire, le chaos innovant, la bêtise forme nouvelle et le cynisme lucidité. Avec la lessive Alléluia, la communication remplace la parole. Essoré, rincé, il n'y a plus rien à dire. À coup ! Accusé, levez-vous. Le jury, à l'unanimité, a déclaré le poète coupable de toutes les abominations du siècle. Que sa parole soit rendue au silence, demain à l'aube, et tous ses ouvrages détruits. Mais nous sommes en démocratie. Les organisations non gouvernementales vont nous reprocher cet auto-da-fé. Oh, pas besoin de bûcher, supprimez simplement l'attaché de presse. Nous avons toute la nuit pour trouver un bourreau qui lui tranche la tête avec discrétion. Nous ne sommes pas des barbares. Ma parole, dites-vous ! Ma parole ne m'appartient pas. Tout ce misérable petit tas d'anecdotes peut bien être anéanti demain à l'aube. Vous n'anéantirez pas le poème. Je me moque de mourir si tout continue après moi, vous entendez? Je n'ai pas besoin d'éternité. Je sais que tout continue après moi. Le mot rideau ne tombe jamais. Ah, oh, ben, de faire ta grande scène. La salle est vide. Ton martyr lui-même ne fait pas recette. Regarde, juste une brève dans le monde entre la nécrologie d'un orthopédiste et les quintuplets d'une souris. Adieu, mon fils. J'ai marchandé trop longtemps. Tu es perdu. Ils vont te précipiter du haut du rempart. Peut-être que la folie prêtera une main secourable le temps que ton nom dans l'histoire. Mais qui m'apprendra à faire de ma douleur un récit? Qui? La flûte de Pan est assourdie par les bruits de la ville. Que dit l'histoire? Elle ne dit rien. Elle ment. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que des Mais qu'est-ce que tu es mauvaise tragédienne! Oh, tu as raison, je le sens pas du tout du dedans. Mais c'est pas ça! Mais tu fais trop d'attention! Tu modules! Tu es pathétique, mais tu n'es pas tragique. Tu me rappelles dangereusement cette très mauvaise comédienne. Comment s'appelle-t-elle déjà? Oh, c'est trop bête! Je ne connais qu'elle. Non, c'est pas elle. Elisabeth Mazel. Oh, j'adore cette actrice. Elle est formidable. Une finesse, un phrasé, l'intériorité. Bon. L'exécution est-elle publique? J'espère que non. J'ai rien à me mettre. Tiens, moi, nous allons faire une belle sortie. Michel Faux disait, oui. Entrez vite et sortez lentement. Par là. Maintenant. Par là. De gauche à droite, c'est trop positif. La diagonale de l'angoisse. Cours avant scène et lentement, douloureusement, lointain jardin. Juste avant la sortie, un petit coup de talon pour appeler les applaudissements. Alors ça fait à peu près ça. Tac, 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 tac. Dans la prison.
l'horizon à l'aube. Mon fils, je viens vous confesser. Alors ne trichez pas comme vous avez toute votre vie triché. De tout ce que j'ai écrit, n'est que collage et plagiat. Mais Shakespeare lui-même imitait Sénèque. Je croyais pas toujours à ce que je disais. Oh, l'important est de l'avoir dit. J'ai renié mes amis. Mais vous avez été fidèle à vos idées. Je nourrissais des désirs de puissance et de gloire. Seul celui qui vit éloigné de l'action. J'ai jalousé un poète mort. Mais il n'y en avait pas de vivant à qui vous puissiez vous comparer. Je me suis parfois cru plus grand que le commun. Mais parfois seulement. J'ai échoué. Oh, le jugement de Dieu ne s'arrête pas au résultat. Non, mais vous m'énervez. C'est comme si j'avais rien fait. Mais enfin, vous ne savez vous accuser que de choses très banales. Si j'avais su que je ne serais pas levé à 5 heures, j'aurais envoyé un vicaire. J'ai perdu la foi. Oh, ça c'est original. Tenez, voilà votre père, le vrai. Soyez moins ennuyeux. Mon père, le vrai. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Jamais. Je suis venu te dire que j'ai changé mon état civil. Je ne veux plus de ce nom qui nous relie. Les services administratifs, au vu de la situation, ont été très compréhensifs. Mais tu ne peux pas anéantir mon nom. Mais ce nom est aussi le mien. J'ai choisi de m'appeler Brecht. Mais pourquoi Brecht? C'est un nom qui a fait ses preuves. Je fais le bourreau. Alors, j'ai pensé pour le costume du bourreau, plutôt que cagoule et torse velu, une sorte de fonctionnaire. Non. Le torse velu. Oh. Un bourreau classique, alors. Voici l'heure. Non, une seule phrase. Voilà. La beauté n'existe pas en soi. Variez-vous bien une messe. La beauté n'existe pas en soi. C'est bien simple. Autant te le dire, c'est pas le président qui m'envoie. J'ai inventé ça. Ça me permettra d'organiser ta réhabilitation post-mortem. Regarde ce qui est arrivé à ce poète, de tes amis, après sa mort. Un vrai succès. Tous mes livres ont été détruits. Oh, c'est pas l'œuvre qui compte. Nous t'attribuerons une relecture signée d'Anatole France. Adieu, mère. Excusez-moi, je suis très en colère. Pas d'exécution depuis des années et quoi? Rien, aucune manifestation, aucun scandale, le bide! J'aime autant pas vous faire là. Disons que c'est fait. Ma belle-mère est concierge au théâtre de Verdun. Elle cherche quelqu'un pour nettoyer le plateau. On n'a qu'à dire que vous êtes mort. Non, mais certainement pas! Mais je veux mon martyr, moi! Toi! Tu n'es pas le centre du monde. Oh, excuse-moi, ton pire ennemi m'a invité à la générale de sa dernière création. Elle s'intitule « Vide, Shakespeare, hypothèse, antimatière, numéro 26 ». Il n'y a pas d'acteur, que des sachets plastiques qui volent au vent et une vidéo en boucle d'un évier bouché. C'est une œuvre interactive. Les réactions du public sont l'œuvre elle-même. Tu peux pas comprendre, t'es tellement vieux jeu. Je t'enverrai des papillotes à Verdun. Et la mort est pour nous la dernière créance. Oh, mais tu pourrais pas accepter de prendre une place qui ne soit ni la première ni la dernière.
Mais crois-tu que je regrette la gloire, moi? Je regrette la vie. Oh, regarde. Il y a un petit garçon qui joue à faire des bateaux dans les caniveaux. C'est impossible. Que le ciel est clair ce matin. Oh, oh, c'était un beau jour pour mourir. Mais c'est un beau jour pour vivre. Ce bateau, c'est moi-même qui l'ai fait il y a 30 ans. Je reconnais la page de mon cahier. Un cahier bleu à grosse spirale. Les comédiens exilés à Verdun s'entretiennent de l'essence du théâtre. En littérature, la chaise est signifiée par le mot chaise. En peinture, elle est représentée par un peu de boue colorée. Mais au théâtre, la chaise est figurée par une chaise. Le signifiant et le signifié sont hypostasiés. Ce phénomène est l'essence du théâtre. Au théâtre, il n'y a pas d'image. Il n'y a que de la présence réelle en état d'image. Moi-même, si je viens là comme ça au centre, je suis en état d'image. En état d'image comme en état de grâce. Ah, mais il serait plus juste de considérer qu'il y a théâtre chaque fois qu'est reconnue cette capacité des choses à être ensemble, présence et figure. Ah, le monde aussi est en état d'image, mais nous l'oublions. Nous oublions et nous croyons vivre dans le réel. Le visible ne se contente pas d'être, il est, et par là même figure ce qui n'est pas visible. Le monde est cette partie visible que le tout s'est choisi à dessein de se figurer. C'est de cette pensée que peut naître le théâtre comme métaphysique expérimentale. Toute autre vision des choses est onanisme. Donc au théâtre, le mot fleur n'est pas absent du bouquet. Le mot bleu est de la même couleur que le ciel. Et quand on dit la mort vient, elle est là, elle garantit toute chose. Oui, le désenchantement du monde s'est arrêté aux portes du théâtre. La parole est plus qu'un outil. Elle est le chef-d'œuvre de l'humanité. Bien fait, triomphal. Mais encore une fois, je l'aurais pas fait comme ça. Oh. Non, à ce moment-là, il est traversé par la révélation. Ah, bien sûr. Et oui, il est... Mais la parole est plus qu'un outil. Elle est le chef-d'œuvre de l'humanité. Non, ça fait bigot. Moi, je l'aurais fait... pas bigot. Il faut toujours qu'il dise quelque chose. Oh, bah, excuse-moi, mais... Bon, je l'aurais fait concret. Bah, bien sûr. Alors, moi, je l'aurais fait... La parole est plus qu'un outil. Elle est le chef-d'œuvre. Ah, ça c'est bien explicatif. À ce moment-là, c'est la parole qui fuse. Il ne sait même pas lui-même ce qu'il dit. Je suis une mouette, non, c'est pas ça. Bon, c'est... Je suis un outil. Non, je suis le chef-d'œuvre de l'humanité. Oui, mais habillé comme ça fait parodique. Mais ça, c'est la jupe de tante Geneviève. Oh, oh. Et dire que tante Geneviève n'est pas là. Oh là là, elle qui rêvait d'entendre ton cours sur le drame lyrique. J'ai fermé la confiserie. J'en avais par-dessus la tête des sucres d'or. Oh, que j'aille à la mer. Oh, que ma quille éclate. Oh oui, moi aussi je vais la retrouver. Quoi? Voilà, l'éternité, c'est le visage de l'acteur à la lampe mêlée. Oh, bravo, tante Geneviève. Vous avez bu beaucoup de café? Incommensurablement! Mais vous êtes à demi nu. Ah oui, nu! Offerte! Et que Dionysos emporte mon masque! Ah oui! Je vais te jeter au four! Acceptez-vous d'être un peu ridicule? Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui, je le veux! J'accepte le martyr! Je serai tout à fait ridicule!
mais le drame lyrique par moi encore aura vécu. Vous êtes prêt à être définitivement ringarde? Comment? Je suis l'impératrice des ringards. À l'origine, ce mot veut dire mauvais acteur. C'est-à-dire un acteur qui ne peut pas ne pas avouer qu'il joue. Où est mon armure? Gardons, si vous le voulez, cet air de nous parodier. Il sera notre cheval de Troie avant que nos vieilles armes descendent dans la ville endormie et assassinent les conforts intellectuels. Oh, cette métaphore est filée comme il faut. Ah, mais le théâtre ne nous appartient plus. Après la déchéance du poète est venue l'ère d'être professeur de dramaturgie. Il nous dit ce que nous devons penser. Ce que nous devons penser est plus intéressant que ce qu'a pu penser Shakespeare. D'ailleurs, Shakespeare n'existait pas. Ah non? Mais non! Il n'a jamais eu de corps. Il n'est qu'un corpus littéraire. Il est une structure à géométrie variable. Il est un grand mécano pour des constructeurs narcissiques. Shakespeare a moins de valeur que la lecture signée de n'importe quel assistant de metteur en scène de Leipzig. Le poème est allé rejoindre les autres fondamentaux dans l'espace virtuel. Il pleure avec le vrai, le juste, le beau dans le froid glacial du tout subjectif. Je n'ai rien compris. Mais il faut choisir. Le poème est trop polysémique pour faire un manifeste à la mort de l'histoire. Le metteur en scène choisit pour vous. Hamlet est une folle et tout vient clair. Ouais, bah alors ça, on s'en serait douté. Quand on voit comment sa mère l'habillait quand il était petit. Et bientôt, les dramaturges ont eux-mêmes été remerciés par des opérateurs culturels. Mais alors, son pire ennemi n'est plus en place. Non, il vient jouer demain à Verdun. C'est l'exil. Déjà, tout va si vite à Paris. Oh oui, tant de Geneviève. Le drame lyrique a fui les plateaux. Il est interdit de jouir par la bouche. Les vérités les plus hautes sont considérées comme les plus basses. Le signe est séparé de la chair et nous sommes prisonniers du XXe siècle. Le drame lyrique nous ouvre la porte, mais personne ne veut passer. Les morts enterrent les morts. Et avec eux, toutes les lettres mortes qui ont fait l'espoir des religions et des poèmes. Mais calmez-vous, vous faites peur. La société de consolation tient la quinzaine marchande. Puisque la parole est morte, on peut spéculer sur les brosses à dents. Le théâtre a honte de lui-même. Tout a le droit de vivre après Auschwitz. L'industrie, le profit, le nationalisme, le nettoyage ethnique, l'idéologie raciale, mais pas le drame lyrique. La terre entière a lavé sa tache, l'histoire elle-même s'est parfumée à nouveau en abattant un mur, mais pas le lyrisme. Le drame lyrique reste coupable. Mais on est dans des états pareils. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de ce vieux grand corps? Quel Orphée fera vibrer encore cette grande vieille harpe? Mes mains, si grandes, n'ont-elles pas été faites pour être projetées vers la fosse avec l'ampleur de l'envol? Je suis descendu des cimes avec une aigrette de feu sur le front. Ce n'est pas ma faute à moi si soudainement, par la seule présence de cet espace limité, de cette foule muette, la flamme brille soudain à travers l'oubli et le dégoût. C'est si simple, je viens du lointain, j'avance vers la fosse, mais je ne suis pas de ceux qui ont peur de leur héritage. Les morts murmurent encore dans le cliquetis de mon armure. Que disent-ils? J'ai vécu, rien d'autre. Et moi qui suis mort aussi, mort au monde, mort à ma propre histoire, et vivant seulement dans l'exercice de mon art, je peux dire cela, j'ai vécu. Qui oserait encore crier cela et laisser poindre les larmes miséricordieuses? Moi, l'acteur trop grand pour un drame devenu trop petit.
Lâche-moi! Le bûcher trop brillant pour une image de l'homme trop terne! Moi qui réouvre les destins par le silence avant le cri! Moi, le grand approbateur et qui sait vivre! Oh! On pourrait me croire tragique! Et c'est bien cela qu'on me laisse être dans une histoire qui bégaye. Mais je suis plus. Soudain. Mais qu'il l'entend dans ce long poème un peu lassant, un peu exagéré, et que les imbéciles préfèrent imaginer naïf. Soudain, c'est l'éclat. La douleur prend feu. L'éclair a trouvé sa cause. L'orage de vérité s'abat dans la parole même. Le mot pierre devient lourd. Le mot soleil surgit des lampes. Le monde a trouvé le point qui clôt le cercle de sa perfection. C'est mon assentiment. Je suis roi. Il n'y a plus de royaume, qu'importe, je suis roi. Il n'y a plus de couronne, ni d'un roi, pas même un cheval. Je suis roi parce que ma parole est lourde et qu'elle est le contrepoids de tous les désespoirs. Je ne m'adresse plus qu'à l'adolescent qui veut vivre. Je crée entre lui et moi un royaume si grand que les créatures de la terre rêvent d'y déchirer leur silence. Il fallait un poème trop long pour nous apprendre ce que nous ne finirons jamais d'apprendre. Nous sommes la cause. L'acteur entre en scène. Et l'on comprend que c'est un beau mot que ce mot d'acteur, dans un monde qui ne sait pas que la prière est l'acte par essence. L'acteur, oui, qui croit ne rien pouvoir et qui pourtant fait acte. Il parle parce qu'on ne peut plus parler. Il y a donc sur scène, magiquement disjoint, visible l'un et l'autre comme une transparence. Celui qui ne croit pas pouvoir faire acte et celui qui fait acte en dépit du regard de l'autre. Une sorte d'absence à soi-même. Les gestes d'un prêtre dans une messe basse, vide à l'agonie de toute joie. L'acte de parler est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Il est le théâtre. L'acteur ringard, en assumant la convention, accepte cette possibilité d'un geste libéré de toute cause et de tout profit. L'acteur est là et il dit... Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? La concierge du théâtre, une concierge modale. La troupe de Vichy expert et votée anti-latière arrive à 5 heures, faut nettoyer le plateau. Non, ce lieu m'appartient, ce lieu appartient aux acteurs. Il appartient au directeur du théâtre, il a commencé dans le rugby, il sera ravi de vous foutre son pied au cul. Je ne partirai pas. Je vais appeler mon chien, il a toujours détesté les acteurs. Ça fera plaisir de broder le fond de culotte de votre vieux costume. Je résisterai. C'est parce que tu dis. J'ai vu le chien, c'est un monstre. Elle l'a appelé Concept. Concept. Je fais le chien. Vous voyez du lyrisme, vous. Moi, je ne vois que de grandes vieilles saucisses. Ah, j'ai toujours détesté les concepts. On va calmer votre concept et nous partons. Nous allons transporter notre lyrisme un peu plus loin. Il doit bien y avoir quelques théâtres de marionnettes, quelques chansons populaires qui puissent nous servir d'exil. Oh.
travail, toi? Tu me proposes le rôle d'une crémière gauchiste dans un feuilleton sur l'aide humanitaire. On me propose des animations dans un supermarché pour vendre de la lessive métaphysique. Moi, j'ai une audition pour une émission de télé-réalité. C'est sur un acteur qui cherche du travail. Mais bon, je dois faire croire que je suis pas acteur, sinon j'ai aucune chance d'être sélectionné. Ils veulent quelqu'un de très naturel. Moi, je dois faire un clown dans un stage de prévention contre le harcèlement moral en entreprise. Allez, il faut partir. Mais tu n'as pas fini ton monologue. L'acteur vient en avant-scène et il dit... Quel temps ? Concept Rognanos. L'acteur entre en scène et il dit qu'il nous soit donné un poète pour la renaissance du drame. Vous n'êtes pas bien nettoyé. Il y a une tache, là. Où ça? Là. Vous n'avez pas bien passé la serpillière. C'est une tache de sang. De la peinture rouge, le sang des Atrides. Nettoyez-moi ça. La vraie tragédie se passe de parole. Oh, et ici, c'est dégoûtant. Là. Des paroles griffonnées, un poème, sans doute. Ah bah, frottez bien, ces restes de mysticisme nous écoeurent. Le vide seul témoigne du vide. Ça, regardez, des traces de sens. Quoi, rien, un personnage qui a pleuré devant la beauté du monde. Une toute petite tache. Il n'y a pas de beauté, il n'y a que des commentaires. Ah, toute cette poussière. Dépoussiéré! C'est de la vieille littérature! Il n'y a que la pulsion! Mes crocs sont plus réels que vos métaphores! Oh, et dans les coulisses! Tous ces vieux accessoires de la métaphysique! Oh, mettez-moi tout ça au feu! Récits, personnages, effets de bois, armure d'argent! Oh, crâne couronné! Entassé depuis des siècles! Déconstruisez-moi cette église de carton-pâte et ce théâtre dans le théâtre. Ce sont de vieux objets, tout remplis de la gloire des morts. Tabula rasa. Tabula rasa. Je rêve d'un vide parfait, une propreté totale, un désespoir sans microbe poétique. D'une modernité absolue, il n'y aurait rien. Pas d'élégie, pas de violon. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des tripes à la mode de Caen. Oh, j'aime pas les tripes. Les tripes. Rien que les tripes. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais? Une objective beauté, sauce transcendance. Un poireau bouilli à l'eau bénite. Je refuse de brûler les vieux accessoires du drame. Mais à quoi bon ce bric-à-brac? Le désert est toujours plus moderne. Ah, ce concept à la dent dure. La modernité est vieille. Elle meurt. Silence, ne la contredit pas, elle meurt. Mais rien ne vient. Moi-même, qu'est-ce que j'étais? Un poète malade qui traversait le monde dans un dernier enchantement. Tu te souviens ce viaduc sur lequel je marchais seul une nuit, sachant que j'allais mourir? J'aurais voulu crier de joie. J'aurais voulu crier un grand cri de joie. Mais je n'ai pas osé. Je le regrette. Oui, c'est ce que je regrette du monde, ce cri de joie. Mais je pensais que toi,
Toi qui croyais en quelque chose, toi tu le pourrais. Pourquoi ce testament, daté du 1er avril, qui se termine par ces mots, ni tombe, ni nom sur une plaque, ni cérémonie, rien, l'ivresse du néant. Je pressentais que l'œuvre serait tombeau. C'est beau, un théâtre éteint. Oui, c'est beau. Quelle mystérieuse joie. C'est là que je vis désormais. Tout n'appartient pas à la mort. Non. Cette lampe seule dans le décor éteint. C'est elle qui le prouve. Elle est allumée pour rien. Par toi, pour rien. Vivre ici suffit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je voudrais vivre ici. Travailler des nuits entières, broder des costumes, plier des décors, repeindre des masques. Je ne veux plus être seul. Tu es seul ? Oui. Et tu voudrais travailler ici ? Quoi de plus parfumé que le possible ? Ah. C'est joliment dit. Je veux peu de choses, mais je les veux si fort que parfois la nuit les larmes viennent. Je veux quelques amis et un espace où jouer les drames que j'écris, rien d'autre. Et s'il y a deux spectateurs pour nous, alors c'est assez, c'est peu. C'est beaucoup, et c'est assez. C'est cela que tu désires ? Je veux une vie héroïque ! Elle n'a rien d'héroïque. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est la tristesse des choses. Elle se repose en elle-même, elle médite. On entend les cloches lointaines d'une église de campagne. Dernière halte avant la catastrophe, ils mourront sur la route, leur assiette de côtelettes froide sur les genoux. Tu veux un café ? Merci. Il est froid. Il n'y a rien de meilleur. La beauté de la jeunesse, c'est qu'elle s'émerveille de tout. Le drame de la jeunesse, c'est qu'elle s'émerveille de tout. Un café et une œuvre à écrire. Voilà, pas d'autre miséricorde, tout est là. Oh, parole bien naïve. Tu ne le trouves pas séduisant? Oh non, il a des boutons plein la figure, le cheveu gras, le dos voûté, imberbe comme un savon. Oh ben non, peu séduisant. Tu pleures? Oui. Mais ne pleure pas si fort, on va croire que tu affectes ta douleur. J'affecte ma douleur, mais je l'éprouve aussi. Mais à quoi bon cette tristesse ? Il suffirait que je rajoute un peu de tristesse à ma tristesse pour qu'elle déborde mon histoire. Oh, ces grandes paroles, ah ben, il est peut-être pas très joli, mais il a pas peur du ridicule. C'est toi ! Comment ? C'est toi, à 15 ans ! Oh, j'étais si laid ! Tes désirs sont plus précieux que ta rancœur. Ah, j'ai péché, j'ai vraiment péché contre mon désir. Et de ça, qui peut m'absoudre ? Le théâtre, seul ! Ah, tiens, voilà Brecht. Salut Brecht. Ça va ? Je viens de te croiser quand tu avais 15 ans. Que tu étais beau. Tu ne rêvais ni de pouvoir, ni de reconnaissance. Tu rêvais de travail. Tu ne rêvais que de travail. J'ai trop travaillé ! Et je me suis lassé des combats perdus.
Je t'ai apporté un cahier tout neuf. Gros carreaux à spirale, comme tu les aimais. Qu'est-ce que tu veux ? Mais je voudrais reprendre mon nom. Tu t'es lassé de Brecht ? C'est les Brechtiens qui m'ennuient. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour t'épater. Quand tu écrivais dans ce cahier bleu, j'étais fier de toi. Si tu redeviens cet enfant au dos un peu voûté sur son ouvrage, je pense que mon nom ne me fera plus peur. Oh, c'est sentimental! Bon, mais je crois que j'ai pas d'autre choix que l'humilité. Alors je vais me mettre à genoux devant mes camarades et implorer leur pardon. Bouchou! Je suis la crémière! J'apporte de la crème! Bon, je vais me mettre en scène, ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Ça fait pas naturel! Oui, mais une crémière qui apporte de la crème après un tremblement de terre, ça fait pas naturel non plus. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle apporte ? Des bonnes paroles ? Il y a des nouveaux-nés ? Fascistes ? Andouilles ? Catholiques ? Alléluia ! La lessive qui lave bien ! Je fais le chef de rayon ! C'est pas le texte ! Mais je peux pas dire la lessive qui promet la vie éternelle. Je pense que tout ce qu'on demande à une lessive, c'est qu'elle lave bien. Réactionnaire, capitaliste, provincial. Donnez-moi le rôle. Donnez-moi le rôle. Ou je me jette par la fenêtre. Je fais le preneur de son. Vous pouvez le refaire sans crier. Donnez-moi le rôle ou je me jette par la fenêtre. Mais non, c'est pas ça. Vous devez avoir honte de parler. Le peuple a honte quand il prend la parole. Vous devez exhiber votre désir d'être acteur comme la chose misérable qu'elle est. Et je crois à la puissance du verbe, moi, monsieur. Ringard, Jacobin, Intello. Vos collègues vous traitent de clown ? Alors avec ce masque de clown, vous serez vraiment sinistre. C'est la directrice des ressources humaines, c'est pas ça. Écoute, avec ce masque de clown, vous amuserez votre entourage et l'on verra que vous savez riri gogo lélé. Avec ce masque de clown, on verra que vous êtes un minable. Va vous humilier, pourrir avec les porcs et vivre comme un porc. Collabo, esclavagiste, eczéma. Mes amis, je vous aime. Vous m'avez tant manqué. Vous avez raison, j'étais fou. Je ne suis rien sans vous. Je vous attends demain en salle de répétition à 9h30 précise. Et texte sûr. Je le retrouve. Donne-nous une bonne raison de te suivre. J'ai écrit une nouvelle pièce. Titre ? Illusion comique. Une bonne raison de répéter cette pièce. Elle parle de théâtre. Oh. Tous les théâtres parlent de théâtre. Il y a beaucoup de scènes amusantes qui dénoncent la tyrannie du réel. Journalisme. Des moments d'émotion aussi où le poète confesse ses erreurs. Complaisant. Des envolées lyriques où l'art du drame est célébré. En figurique. Réflexion philosophique sur le mystère de la parole. Oh, ésotérique. Une lucidité sans concession. Ennuyeux. Mais de l'espoir aussi. Naïf. Des harengs fumés.
Un chien moderne, maman. Trivial. Un grand rôle pour tous les acteurs. Faites-le plus tôt. Ma chérie, mon amour, vite, Shakespeare, hypothèse antimatière, numéro 26. C'était une catastrophe sans précédent. Le public s'est révolté. Quelle bande de bourgeois réactionnaires. Et ta tante Geneviève en est. Un théâtre sans mots, c'est comme une musique sans notes. Mais le théâtre a plusieurs définitions, Ginou. Mais tu sais que ça te va bien, la rosette. Il faut accepter que les formes se renouvellent. La concierge a empoisonné le concept. Quelle horreur. Et alors, nous sommes condamnés à refaire éternellement le même geste. Et désormais, je ne m'appelle plus Geneviève, mais Pénélope. Le moment est venu, Pénélope a raison. Ulysse revient à Ithaque. Le silence est fini. Toujours la même toile, toujours la même attente. Chérie, tu sais que tu pourrais écrire quelque chose sur cette désillusion. Un manifeste, une sorte de pamphlet révolutionnaire. Une théorie politique de la déconstruction qui renverrait dos à dos la gauche et la droite. Tu crois? Oui, tu sais que je connais très très bien le nouveau rédacteur en chef du Monde. Tu, ça le reprend. Oh non! Il va encore faire la grève de la faim pour le salut de la démocratie. Il a un spectacle à faire. Il sauvera le monde après. Alors, voyons ce poème. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, y a rien d'écrit. J'ai un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir rédigée. Je voudrais écrire une pièce sans douleur aucune. C'est difficile. Au travail. Et pendant qu'il tente de retrouver son âme perdue, nous allons trouver des formules pour mes papillotes. Il m'en faut une centaine exactement. Trouvez-moi sans définition du théâtre. Jeune homme. Voilà. Bon, y a peu de chance que ça donne un visage humain à la mondialisation, que ça fasse une plus juste répartition des richesses, ni que ça rapièce la couche d'ozone, mais qui sait, un enfant, il trouvera peut-être de quoi décorer sa chambre en suçant un nougat. Sapiens, Sapiens se plante une épine dans le pied. Il voit que sa douleur n'est pas partagée par ses camarades. Alors, il invente le théâtre. Mais non, Sapiens, Sapiens va que son collègue s'est planté une épine dans le pied et en ressent la douleur. C'est lui qui a inventé le théâtre. Le théâtre est une épine plantée dans la chair de l'autre. Le théâtre est la première pensée humaine. Et sa dernière question. Je n'aime pas le théâtre, dit-elle en se mettant du rouge à lèvres. Nous sommes libres, voilà l'horreur. Le théâtre est la musique de cette liberté. Le théâtre est le lieu où les choses cachées depuis le début des temps sont révélées, sans qu'on puisse toutefois les comprendre absolument. Le soleil ni la mort ne se peuvent contempler fixement. Ô mort, tu as perdu ton aiguillon dans le miroir du théâtre. Ô soleil, une lampe suffit à te vieillir. Le théâtre est vainqueur des dieux. Il est le seul qui laisse la nécessité sans voix. Le théâtre a commencé sous le soleil et continue sous les lampes. C'est bien la preuve qu'il est le fanal de la liberté humaine. Le théâtre est le miroir du monde qui est le miroir du théâtre. Et notre présence y est inversée et illisible. Le miroir est ce qui est écrit en lettres inversées, mais comme le monde marche à l'envers, le théâtre le remet à l'endroit. Le théâtre est un miroir au cœur de la ville qui sert à nous rappeler que tout est théâtre. Le théâtre est un miroir où la totalité du monde se recompose comme totalité. Le théâtre est un narcisse qui ne tombe pas à l'eau. Le théâtre ne peut pas être circulaire, l'image serait trop déformée. Il y a dans le théâtre un face-à-face, le réel fait face à la vérité. Si le théâtre ne vaut plus un clou, ce sont les clous de la passion. Et avec quoi crucifier l'homme, si ce n'est avec un miroir?
Et jetant son bouclier, la gorgone s'immire, et son regard pétrifiant se retourne contre elle-même. Le théâtre est ce qui permet de contempler la mort sans en mourir. Le théâtre parle du monde en ne parlant que de lui-même. C'est quand il parle de lui-même qu'il parle le plus exactement du monde. L'idiot seul peut comprendre cela. Mais l'actualité du théâtre est plus précieuse que son actualité. La vérité est comme ces trésors que l'on remonte des tréfonds et qui, sitôt à la surface, tombent en poussière. Le théâtre est ce qui permet de soustraire la vérité à la violence du réel. À la question « Qu'est-ce qui vous ennuie au théâtre ?», d'aucuns ont répondu « Le théâtre ». Ah ben, je pourrais aussi bien dire l'inverse. Ce qui m'ennuie au théâtre, c'est tout ce qu'elle a prétention de ne pas en être. Il y a rarement de nouvelles manières de faire du théâtre. En revanche, il y en a toujours de nouvelles de ne pas en faire. Le théâtre est l'ivresse du présent. Permettre aux plus pauvres de s'approprier les symboles, c'est ce que le politique devrait faire et qu'il ne fait pas. Bah, il préfère arrondir le pouvoir d'achat. Ça fait l'économie de penser l'essence du théâtre. La fin de parole est ce qui fait la différence entre le pauvre et le misérable. Le misérable est celui qui ne s'invente aucun théâtre. Les modèles politiques, les créateurs, les publicitaires, les marchands de mode, tous veulent la théâtralité. Ils veulent la théâtralité. Mais non, pas le théâtre. Le théâtre est au silence ce que le sel est à la mer. On ne peut dire la vérité qu'à un inconnu. Un théâtre qui divise. Ben, ça ne veut pas dire un théâtre qui oppose la gauche déjà convaincue à la droite qui de toute façon ne viendra pas. Un théâtre qui divise, ça veut dire un théâtre qui divise chacun de nous, qui le ramène au cœur de ses conflits intimes. Le théâtre et le spectacle sont Abel et Cain. Mais sans Cain, on ne parlerait pas d'Abel dans les journaux. Le spectacle, c'est ce qui reste quand le théâtre ne marche plus que dans un seul sens. Le théâtre est toujours un amour de la lettre. L'esprit n'y a pas toujours payé sa place. Un théâtre vide n'est pas un théâtre qui dit la vacuité. Un théâtre absurde ne dit pas l'absurdité de notre condition. Un théâtre informe ne dit pas le chaos. Un théâtre ennuyeux ne dit pas l'ennui. Un théâtre désespérant n'est pas un théâtre du désespoir. Il n'y a pas de théâtre insignifiant. C'est pourquoi la plupart des metteurs en scène sont des charlatans. Ils veulent s'approprier la parole du théâtre même. Le phénomène théâtral est ce qui couronne la totalité des phénomènes. Le théâtre n'est pas la machine à faire descendre les dieux, mais le dieu lui-même. Le théâtre est ce lieu où la nécessité du mal se dit sans avoir recours au latin d'église. Il y a théâtre quand il y a émerveillement soudain pour les choses vues tous les jours. Le théâtre est émerveillement de l'émerveillement. Le théâtre est le pollen de l'être. Le théâtre donne la réponse à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» De la pierre à l'homme, l'être a besoin d'applaudissements, sans qu'on puisse dire « Pourquoi ?» Listen.
oiseaux qu'on entend chanter à l'extérieur, alors qu'on est sur scène, donnent une définition exacte du théâtre. Le théâtre est une idée de l'éternité qui n'a besoin d'aucun paradis. Seigneur, réponds-moi à cette question. Trouverai-je le paradis des mille feuilles à la rose de chez la durée? Il y a toujours un instant où l'homme trouve l'éternité moins désirable que le temps. C'est insurrection contre la métaphysique et l'essence du théâtre. La musique nous dit ta souffrance est joie. Le théâtre nous dit ta souffrance est illusion. Quand on est jeune, la vie est comme un décor de théâtre vu de loin. Quand on est vieux, la vie est le même décor vu de près. Le théâtre est la présence réelle d'une absence. Le théâtre n'est pas de l'art, il est du théâtre. À celui qui écoute, même les pierres parleront. Ce qui permet de les entendre est théâtre. Le théâtre, c'est la chambre qui cherche les amants. Le théâtre n'est pas un phénomène culturel, encore moins cultuel, il est un phénomène naturel. La nature du théâtre est le théâtre de la nature. Métaphysique expérimentale, si j'entre sur scène, quelque chose est changé pour les siècles des siècles. J'aurais pu ne pas entrer. Que peuvent les dieux? Rien. Ce qui a été, a été. Le théâtre et le parfum de l'action. Pour une goutte de ce parfum, les dieux sont prêts à risquer l'humanité. Le théâtre, est-ce qui fait qu'on continue? On n'en peut plus continuer. Le théâtre est indifférent à notre impuissance. Les acteurs sont des hommes qui refont jusqu'à l'impensable la possibilité même de l'acte. Le théâtre est l'espace où désirer est déjà un acte. Le théâtre a lieu dans une seconde qui devance le présent. C'est là que le possible demeure. C'est pourquoi le théâtre est l'art de ne pas effrayer les devenirs. Le théâtre est une grande salle froide en périphérie dont personne ne peut dire l'utilité. Le théâtre est un amour qui vient de la parole sous la forme d'une promesse. Le théâtre est sans précédent. Partout, la mort règne. Au théâtre, elle n'est qu'accessoiriste. Le théâtre, c'est le cuivre qui s'éveille clairement. Les morts aiment le théâtre. Les spectres y sont des pères qui nous disent notre devoir. L'athéisme au théâtre, c'est la résienne. On en parle, on ne le voit jamais. Le théâtre est la bonne nouvelle du retour du même. Le théâtre est ce qui vient. Le perpétuel est plus théâtral que l'éternel. On ne peut se contenter d'un théâtre qui dénonce son temps. Le théâtre est ce qui annonce le temps. Le théâtre appelle le temps par son prénom. Le théâtre est une révolution trop intime pour ne pas être oubliée de l'histoire. Le théâtre est une révolution qui se refuse à l'univocité de l'histoire. Le théâtre et le porte-manteau de nos utopies. Elles y tiennent, à peu près droites, en attendant le jour où nos corps en auront besoin. Un théâtre, on ne cherche pas une définition du théâtre, n'est pas du théâtre. Le théâtre est la patrie de l'impatience. Le théâtre est ce qui sauve la jeunesse de mourir de l'idéal. Le théâtre est une nostalgie qui conseille l'espoir. Le théâtre nous apprend à vivre dans l'absence de tout sens. Le théâtre est l'évangile des enfants sans père. Le théâtre est ce qui veut l'obscurité féconde. Quand Askanax est jeté du haut des remparts, il ne reste plus autre moyen que le récit d'Askanax jeté du haut des remparts. Au théâtre, le vaincu a la supériorité poétique. Le théâtre, c'est l'or de la nécessité. Le théâtre est fait de tout ce qui ne peut s'inscrire dans la loi. Dans le théâtre classique, l'homme comprend qu'il lui reste encore la liberté de dire. Le 20e siècle n'a pas compris la tragédie. Il n'a pas écrit de tragédie. Il a fait des films catastrophes.
Il lui manque la joie tragique. Nul jamais ne s'est contenté du bonheur. La joie est l'unique désir de l'homme. Le théâtre, ce qui le lui montre le plus mystérieusement, le plus substantiellement, la joie est la connaissance d'une vérité qu'on connaissait déjà. Le théâtre est trinité. Celui qui espère, celui qui vient et celui qui témoigne de leur rencontre. Le théâtre est cet amant d'un soir qui dit « Oublie-moi et je te serai rendu !» Le théâtre est cette lampe qui voit à une fenêtre quand on marche la nuit dans une ville inconnue et que l'on rêve de la vie qu'il y a là comme d'un lieu